Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Nuria TV, je suis Guillaume, je suis très très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission en compagnie d'un invité que vous avez pris à l'habitude d'accueillir sur notre antenne et que je prends énormément de plaisir à recevoir à chaque fois. Il s'agit bien entendu de Michel Desailles, donc ce soir une émission consacrée au déluge et au cataclysme, un sujet pas forcément très rigolo, mais sur lequel Michel a encore beaucoup d'informations à nous communiquer. Donc je vais vous laisser vous installer tranquillement les Nuréens, je vois que vous êtes nombreux sur le chat, alors petit rappel pour ce soir. Vous savez que ces derniers temps, on a quelques soucis avec le site. Pour vous donner quelques infos, on y travaille toujours, mais là, c'est des problèmes assez particuliers à régler avec ces problèmes de flux sur le site. Donc ça ne va pas se régler du jour au lendemain, mais en tout cas, on y travaille sérieusement et on fait le maximum pour que ça soit rétabli au plus vite. En attendant, on utilise le chat YouTube, et c'est pas mal aussi le chat YouTube. La preuve, c'est que vous êtes déjà plusieurs dizaines à être dessus et à commenter en ce moment-là. Je vois beaucoup de bonsoir. Bonsoir Michel, bonsoir Guillaume, heureux de vous entendre. Donc salut à Tape la Fuite, à Olivier, à Johan, à Furby, à Sophie, bon cœur, Amédée aussi, salut Amédée. Et puis je voudrais saluer aussi notre équipe de 5 modérateurs qui sont là présents à tous les directs pour faire leur maximum pour que ça se passe bien sur le chat, que tout le monde puisse échanger sans crainte de personnes qui ne respecteraient pas la charte qu'on a installée sur Nuria TV. La charte, elle est très simple, du respect, de la tolérance et de l'ouverture d'esprit. Avec ça, il y a moyen quand même de passer une bonne soirée tous ensemble, les amis. En tout cas, un gros merci à Béa, à Marie, à Audric, à Mick et à Togiro, qui assurent comme des chefs sur le chat, sur les pages de nos réseaux sociaux. Donc, je voulais leur faire un gros bisou à tous les 5 et les remercier, mais du fond du cœur. Voilà, pour celles et ceux qui seraient en train de regarder directement sur le site Nuria TV, vous allez vous rendre compte que dès qu'il y a trop de personnes connectées sur les directs, eh ben, ça a tendance à ramer un petit peu, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur la page YouTube de l'émission. Pour ce faire, c'est très simple, vous avez le petit lecteur vidéo en face de vous, donc si vous êtes sur le site, vous cliquez sur l'icône YouTube en bas à droite du lecteur vidéo ou sur le titre de la vidéo, le titre YouTube, celui qui est souligné. Vous arriverez sur la page YouTube de l'émission et sur la droite, juste à côté de l'écran, il y aura à nouveau le lecteur vidéo et sur la droite, vous aurez le chat qui vous permet de poster des commentaires et d'interagir entre vous et avec nous tout au long de la soirée. Donc, soyez les bienvenus et je vois que vous êtes déjà très, très nombreux. Donc, encore une fois, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre fidélité, votre curiosité, un nouveau mot dans le dictionnaire, tiens, et votre ouverture d'esprit. En tout cas, soyez les bienvenus, faites comme à la maison, installez-vous. Et sans plus attendre, on va accueillir Michel sur l'antenne de Nuria. Salut Michel, comment vas-tu? Eh bien, salut Guillaume, ça va très bien, merci beaucoup de m'accueillir une nouvelle fois. Écoute, grand plaisir de t'avoir parmi nous. Ravi de revenir sur Nuria, voilà, et de retrouver tous les Nuréennes et les Nuréens, donc, comme déjà précédemment. Et puis bonjour à toutes ces charmantes personnes qui sont là pour m'écouter. C'est toujours très 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 sympathique. Bon, comme je dis, les chercheurs de lumière et de vérité et d'amour sont présents parce que bon, je suppose que c'est quand même une recherche de connaissances qui amène tout le monde ici et de plus en plus, je crois, à l'étranger. Donc, je crois que aujourd'hui, ce soir, nous avons des amis du Canada. Au Canada, on n'est pas le soir, mais bon. Si mes souvenirs sont bons, au Québec. On doit être vers 14h30. Oui, en tout cas, oui, amis québécois, voilà, et canadiens, soyez les bienvenus. Oui, c'est dans ces eaux-là. Donc, bienvenue à tous et content de retrouver donc, tout le public de Nuria pour parler aujourd'hui d'un sujet, comme tu l'as dit, Guillaume, pas très réjouissant, puisque cataclysme et déluge, bon, bien sûr, ça fait allusion à des destructions, à des calamités, à des millions et des millions et des millions de morts quand, bien sûr, il y a des humains sur la planète. Ça va de soi, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de catastrophes avant même qu'il y ait des hommes, hein, bien sûr, avant qu'on soit là. Donc, c'est un sujet un petit peu particulier. Certains pourront se dire, mais alors, qu'est-ce que ça peut bien avoir d'ésotérique de parler de la disparition des dinosaures, etc., eh bien, ça se replace quand même dans l'évolution humaine, parce que bien sûr, il y a des civilisations, il y a l'homme, et l'homme doit faire des progrès, que ce soit en culture ou en économie ou en développement de civilisation. Et puis, à un moment, il y a des crises. Alors, comme il y a des crises politiques,
sociale, on en connaît quelques-unes, eh bien, il y a des crises climatiques, des crises cosmiques, et voilà, et tout un tas de choses qu'il faut bien que l'humain prenne en considération. Alors, si on étudie, on verra par la suite, hein, les déluges hindous, scandinaves et autres, hein, parce qu'on va bien voir qu'il n'y a pas que le déluge biblique. Bon, ça rentre dans une doctrine des cycles. Hein, en gros, l'idée, c'est que bon, les civilisations font des cycles, à un moment, elles disparaissent. Et qu'est-ce qui les fait disparaître plus facilement? Eh bien, c'est justement un cataclysme qui les engloutit. Bon, tout le monde a entendu parler de l'Atlantide. Eh bien, la civilisation d'Atlantide, des Atlantes, eh bien, a été complètement détruite. Platon dit en une seule nuit, hein, pour eux. Ce continent fabuleux, hein, d'après les légendes, a disparu. Et donc, c'est bien lié à quelque chose de l'évolution humaine, bien entendu, et de l'ésotérisme et des religions, quelque part. La preuve, c'est que toutes ces catastrophes, en particulier les déluges, sont dans les religions et les mythologies. Hein, alors, bien sûr, dans les religions et les mythologies, on va les arranger avec un peu de châtiment des humains, avec un peu de responsabilité, de faute, de comment dire, de guerre des dieux, etc., etc. Alors c'est pour ça que c'est lié. Hein? Donc on peut voir qu'il y a un phénomène physique en soi, une catastrophe naturelle, et puis quelquefois ces catastrophes se branchent sur tout un tas d'autres choses. Hein. Une catastrophe peut se brancher sur une civilisation disparue. Les civilisations disparues font référence à quelque chose d'ésotérique. Hein. Bon, voilà un petit peu. Donc, en gros, je vais prêter trois parties. Les catastrophes en soi, de toutes sortes, hein, cosmiques, naturelles, de toute nature, avec les explications qu'on peut donner sur le plan scientifique, sur le plan rationnel. Hein. Bon, quand il y a une explosion d'étoiles, bon, ben, un astronome, un astrophysicien peut expliquer comment peut se passer une explosion d'étoiles. Ça existe. Hein. On en a tout le temps dans l'immensité du ciel, le cosmos. Et comme il y a des centaines de milliards de galaxies, on pense bien qu'il y a des étoiles qui explosent un peu à droite, à gauche, régulièrement. Et puis, bien sûr, les catastrophes qu'il y a sur Terre, qu'il y a chez nous. Hein. Alors bon, quand on parle de la vie sur Terre, bien entendu, à l'échelle d'une vie humaine, prenez la moyenne d'une vie humaine, 80 ans, quelqu'un peut passer toute sa vie sans avoir vu de catastrophe majeure. Hein, il faut vivre dans une région volcanique pour avoir une coulée de lave, il faut vivre dans des zones fragiles de l'écorce terrestre pour avoir un tremblement de terre dans sa ville. Quand on est ailleurs, on n'en parle de rien. Alors bon, forcément, vous avez l'ouragan, vous avez le tremblement de terre, l'éruption volcanique, quelquefois la chute d'une comète, etc. Bon, mais il n'y a pas beaucoup d'humains qui sont concernés. Et dans une vie, on peut faire toute la vie sur Terre sans jamais être concerné par un fléau de ce genre. Hein. Alors, ça donne un peu l'idée aux humains, tant qu'il se passe rien où ils habitent, qu'on est à l'abri de tout ça. Voilà, que c'est bien beau. On lit quelquefois dans le journal éruption volcanique à tel endroit. Bon, ça concerne pas beaucoup d'humains. Hein, alors, on a l'impression qu'il y a une tranquillité, hein, et l'harmonie serait universelle. Hein, on dit toujours, si Dieu a créé le monde, bon, il n'a pas créé le monde pour qu'il y ait une catastrophe tous les jours. Hein. Donc, la vie est paisible, hein, les humains se développent, font de l'agriculture, font de l'élevage, construisent des villes, etc. etc. Et on a l'impression d'un cosmos qui est ordonné, les planètes tournent tranquillement autour d'une étoile qui est un soleil, comme dans notre système solaire. Bah, les galaxies, elles tournent aussi, elles se déplacent. Il n'y a rien de bien figé dans le cosmos. On a l'impression d'une régularité, l'orbite des planètes, le déplacement des galaxies. On a l'impression de quelque chose de stable, parce qu'on dit bah, les étoiles. Hein, en astrologie, on dit il y a les errantes et les fixes. Les fixes sont les étoiles, donc elles ne bougent pas de place de toute éternité. Hein. Et
bon, on parle de l'étoile polaire, on pense qu'elle est là depuis des millions d'années, ce qui n'est pas toujours le cas parce qu'elle n'est pas toujours à la même place. Hein. Il y a toujours une étoile polaire, mais ce n'est pas la même. Hein. Donc, en gros, voilà, hein, l'étoile polaire change par rapport à l'axe des pôles, ce qu'on sait, bien sûr, très, très bien maintenant. Donc, on a, l'idée que l'univers est stable et harmonieux. Alors, quand il y a une crise, quand on dit, écoutez, là, il s'est passé quelque chose d'hallucinant, telle planète a été détruite, ou une grande partie de continent a été détruite, il y a des chamboulements, comme c'est pas possible, eh bien là, on se dit, l'harmonie divine est pas si harmonieuse que ça, puisqu'il y a des crises, on peut pas dire à période régulière, parce que c'est jamais très régulier, mais vraiment, il y a des catastrophes très, très importantes, à la fois sur Terre et dans le cosmos. Hein, donc, une explosion d'étoiles, bon, on imagine hein, ce que ça peut donner. Aujourd'hui, on le reconnaît, hein, les télescopes géants voient des destructions d'étoiles. Bon, on nous dit qu'il y en a à peu près 3 à 5 par an qui, dans notre galaxie, explosent par an. Rien que dans notre galaxie. Ouais, par galaxie. Hein. Alors, c'est pas beaucoup, puisqu'il y a des centaines de milliards d'étoiles. Enfin, où ça explose ? Ça explose, il y a donc déjà un phénomène physique qui fait exploser une étoile. Ça déclenche des rayons gamma absolument colossaux et mortels. Donc, bon, c'est donc déjà quelque chose d'assez surprenant. Ça peut tenir de la science-fiction, hein, mais ça existe. Mais dans le même temps, il y a des naissances d'étoiles. C'est-à-dire que les nuages de gaz, les éléments qu'il y a dans le cosmos, qui tournent, qui se condensent, qui se refroidissent, eh bien, finissent par reformer de nouvelles étoiles. Et donc, on a déjà une bonne idée qui, là, est ésotérique, c'est que vous avez une transformation permanente. C'est-à-dire que des choses meurent pour renaître. Rien ne se perd, tout se recycle. Voilà. Alors, quand on a cet adage de base hein, en ésotérisme, qui a une succession, là, qui peut être permanente de vie et de mort, ça concerne les humains, mais ça concerne même les étoiles et même les planètes, parce que des planètes, hein, peuvent avoir disparu. Par exemple, dans certaines légendes, on dit qu'il y avait une planète avant entre Mars et Jupiter. Parce qu'il y a un grand trou en distance entre Mars et Jupiter. Il y a une équidistance des planètes, hein, Mercure, Vénus, Terre, Mars. Il y a une certaine équation hein, de distance. Pareil, Jupiter, Saturne, etc. Et il y a un trou anormal en millions de kilomètres dans entre deux. Et il y a une ceinture d'astéroïdes à cet endroit-là. Donc, dans des mythologies anciennes, en particulier babyloniennes ou sumériennes, eh bien, on dit qu'il y avait un astre à cet endroit-là qui a explosé. Les débris sont allés s'encastrer à droite et à gauche, sont transformés en astéroïdes et tout ce qui s'ensuit. Donc, on a ce genre de choses. S'il y avait une catastrophe pareille, rien que dans notre système solaire, il est bien certain que on peut avoir l'idée de ce qui peut se passer hein, dans le cosmos entier, qui a des milliards de galaxies. Hein. Donc, en gros, on pourrait résumer en disant qu'il n'y a pas vraiment grand-chose de stable. Alors, heureusement, ce n'est pas quotidien, et heureusement pour la planète Terre, ce genre de phénomène est quand même assez rare, heureusement. Enfin, quand ça arrive, ça arrive. C'est-à-dire, quand ça arrive, vous avez la destruction de l'Atlantide, vous avez le fameux déluge biblique, vous avez ceci, vous avez les submersions de la Terre. Hein, quand les océans remontaient de 120 mètres à la fin de la dernière glaciation, bah, tout ce qui était sur les bords de côte en dessous de 120 mètres était inondé. Donc là, alors, qu'il y ait des humains ou pas à certaines époques, quand il y en a, bien entendu, le résultat est catastrophique en nombre de morts. Hein. Alors, voilà un peu le cadre de ce dont on va parler, en insistant bien entendu sur les catastrophes qui sont plus connues historiquement, puisque là, bon, on peut avoir des traces et ça donnait donc des résultats très importants dans les religions hein, et dans les mythologies, parce que on insiste beaucoup sur ce sujet parce que, bien sûr, on veut savoir pourquoi. Alors, il peut y avoir une cause naturelle, mais souvent, on rajoute le châtiment des dieux, les fautes des humains. On va remettre, bien entendu, parce qu'on est dans un contexte religieux, dans un cadre spirituel.
Alors, c'est le code du déluge biblique, hein, qu'on verra après. Alors, dans les définitions, forcément, une catastrophe, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une destruction. Hein, ça veut dire destruction. Au sens figuré, malheur. Donc, un malheur, une catastrophe. C'est passé dans le langage courant, hein. Qu'on dit, oh, ben, ça, c'est une catastrophe. Même en économie, on peut dire, si je suis du tout de la bourse, quelle catastrophe, hein. Bon. Alors, cataclysme, c'est un mot qui serait, pour quelque chose de plus ample. Hein. Cataclysme, ce serait une super catastrophe. Mais dans le mot grec, cataclysmos, ça veut dire inondation. D'accord. Donc, en gros. On est déjà dans le déluge, voilà. Sur cataclysme. Alors, l'idée, c'est la référence au déluge, parce que dire une grande catastrophe, eh bien, c'est le déluge, s'il est supposé être universel, hein. Ce qu'on verra après, hein, l'idée. Et donc, le mot latin diluvium, ben, ça donnait déluge, ça veut dire grande inondation, hein. Donc, alors, les termes sont très proches, hein, cataclysme, catastrophe, déluge. Déluge étant la partie eau, les eaux, à représenter les eaux, inondations gigantesques, tsunami et tout ce qui s'ensuit par rapport à d'autres catastrophes qui ne sont pas forcément liées à l'eau. Hein. Alors, d'accord. Oui. Juste avant qu'on ne poursuive, Michel, je vois qu'il y a déjà beaucoup de questions sur le chat. Oui. Les amis, je vous explique pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas suivi d'autres émissions avec Michel. On va laisser le temps aujourd'hui à notre invité de développer tout ce qu'il a à nous présenter. On prendra un moment à la fin de l'émission ou au milieu de l'émission, on fera peut-être une petite coupure. On peut couper au milieu de l'émission pour prendre des questions. Exactement, mais je ne vais pas pouvoir prendre des questions toutes les trois minutes, couper la présentation de Michel. Et puis Michel, beaucoup de retours sur la très belle chemise dont tu nous gratifies ce soir. Donc je tenais à le dire, la chemise fait un tabac. Alors, je ne sais pas si ça a quelque chose d'apocalyptique, mais bon. Doit-on y voir un signe ? Mais en tout cas, je te redonne la parole après cette petite aparté. Oui, oui. Alors voilà, donc voilà, là on a cerné un peu le sujet, et donc on va distinguer des catastrophes cosmiques. Bon, là, ça touche pas tellement la Terre, ça peut la toucher, mais bon, pas forcément, et des catastrophes terrestres. Bon, par exemple, c'est connu dans l'histoire qu'en 1054, les astronomes chinois ont observé un phénomène étrange dans le ciel. Il y avait l'empereur de Chine à l'époque, et il avait une équipe d'astronomes, ils avaient une plateforme là, quelque part dans le palais, avec la charge d'observer le ciel, et ils pointaient tout, hein, parce que les fameux scribes chinois pointaient tout ce qu'ils pouvaient voir dans le ciel, une comète qui passe, bon, ils pointaient les jours, les tables absolument incroyables, très très forts en astronomie, les Chinois, comme les Mayas, comme les Babyloniens, Sumériens. Et alors, un jour, en montant sur la terrasse où il faisait l'observation, un jet lumineux extraordinaire dans le ciel et un astre brillant, une très très grande brillance dans le ciel, un endroit du ciel qu'il connaissait où d'habitude il n'y a pas cette brillance. Donc, ils ont conclu qu'une nouvelle étoile est née. Alors, sensation, bien sûr, d'aller dire à l'empereur, il se précipite, le chef va dire à l'empereur, une nouvelle étoile est née dans le ciel et c'est très bon pour votre règne parce que à votre règne est illuminé par une étoile qui est apparue. Donc, on peut déjà dire qu'il y a des étoiles qui apparaissent soudain. Et quand on a fait, des recherches après coup, on s'est aperçu que cette étoile, en fait, ne naissait pas, mais mourait. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une explosion d'étoiles, ce qu'on appelle une supernova, qui a explosé. Et quand une supernova explose, ça fait un éclair gigantesque d'un bout du ciel à l'autre, quelque chose de très très lumineux qui dure longtemps, le temps que ça s'éteigne entre guillemets, et cette supernova qui est explosée est devenue la nébuleuse du crabe, donc ça qui se voit encore dans le ciel aujourd'hui, quoi. Donc la fameuse nébuleuse du crabe qui reste, bon, les éléments réduits, détruits, etc. de cette explosion gigantesque est en fait la mort d'une étoile. Donc c'est plutôt l'inverse. Pas de bon augure, quoi. Et puis on a laissé tomber cette histoire. Au début, à l'époque où ça s'est passé, on n'y croyait pas. On ne savait pas ce que c'était qu'une supernova. On ne savait pas ce que c'était qu'un rayon gamma. C'est le plus fort rayon d'énergie qu'il y a dans le cosmos et totalement mental si on est sur la trajectoire. Hein. Donc, alors forcément, ça a été repris après. Il a fallu, je crois, le 18e ou le 19e siècle pour que
branchée sur la constellation du crabe, nébuleuse du crabe en question. On l'appelle comme ça parce qu'elle a plus ou moins la forme d'un crabe vu dans les télescopes, pour enfin comprendre que c'était une explosion d'étoiles. Donc, il se passe dans le cosmos des choses extraordinaires. Alors, ça n'a pas vraiment touché la Terre, bien entendu, d'après vue des gars, hein. Mais c'est pour dire dans le ciel, il s'en passe. À notre Soleil à nous, bon, ben, d'après les astrophysiciens d'aujourd'hui, il est à la moitié de sa vie. Bon, il a fait 4 milliards et demi d'années sur 9, ou autre, ou plus, je ne sais pas trop sa durée de vie totale, mais il est à la moitié. Donc, un jour, lui aussi, il va se dilater à l'infini, devenir une géante rouge et finir. Donc, notre Soleil va disparaître. Donc, c'est déjà que la mort du Soleil est programmée. En clair, c'est très très important à apprendre, les étoiles naissent et meurent. Donc nos étoiles, curieusement dans le ciel, les étoiles fixes ne sont pas éternelles. Alors bien sûr, par rapport à l'humaine, humaine, durent très 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 longtemps. Alors bon, dans le cosmos, il s'en passe vraiment beaucoup. On va pas tout passer en détail. L'exposé est plutôt sur les déluges, mais bon. Par exemple, on dit que dans les premiers temps du monde, quand les orbites des planètes étaient pas encore très 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 régulières, très installées, il y avait encore des astres errants qui se baladaient dans le système solaire. Il y aurait une planète qui aurait heurté la Terre. Et cette planète, bien plus grosse que la Lune, en heurtant la Terre, son noyau serait rentré à l'intérieur de la Terre. Il y aurait donc eu un noyau métallique, fer, nickel, l'ensemble de la Terre. Cet impact aurait éjecté le reste du manteau et de l'écorce terrestre. Ces débris se seraient mis en orbite et auraient formé la Lune. Donc, création de satellite. Voilà, la création du satellite, la Lune aurait été expliquée comme ça. Les autres débris qui se seraient pas colmatés, mis à tourner et mis en orbite autour de la Terre, eh bien, auraient été volatilisés dans le cosmos et seraient tombés ailleurs. Alors, quand on voit des phénomènes de ce genre, si c'était filmé, par exemple, pour un documentaire, on voit le chaos que ça peut représenter, quoi. C'est une sorte de jeu de billard cosmique. Bon. Et là, dans notre système solaire, alors partout, c'est un peu pareil, des planètes encore plus grosses, beaucoup plus de planètes que dans notre système à nous, des soleils qui sont 10 fois, 20 fois, 30 fois notre soleil. Bon, extraordinaire, parce que ça existe aussi. Nous, on a un soleil tout petit. Hein. On est très modeste dans cette galaxie. Oui. Très, très modeste en taille par rapport à d'autres qui ont un rayonnement 1000 fois plus fort, 10 000 fois plus fort, etc. Hein. Donc, ces quelques exemples, c'était pour montrer que rien n'est bien stable, justement. Alors, heureusement, ça n'arrive pas tous les jours, mais quand ce genre de phénomène arrive, des exemples, il y en a à l'infini. Hein. Par exemple, pourquoi Uranus a son axe qui est couché? Uranus n'a pas un axe d'épaule à la verticale, mais couché quasiment à l'horizontale à 98% par rapport à la ligne d'horizon. Eh bien, maintenant, on sait pourquoi. Il y a une planète errante qui a touché le sommet de la planète, au niveau du pôle Nord, et qui a fait se coucher l'axe. Et en même temps, Uranus a absorbé la planète qui lui a touché. Les débris sont rentrés à l'intérieur par la force de gravité, on appelle ça. Mais ça a couché l'axe à l'horizontale. D'accord, donc c'est une collision qui a décalé l'axe. Voilà. Donc, bon, on peut se dire, on peut multiplier l'exemple à l'infini, pour montrer que, bon, on pourrait se poser la question de savoir, d'abord pourquoi il se passe tout ça, et puis, on chercherait vraiment la stabilité quand même avec un S majuscule, et au moins sur une période de temps, très très longue. Alors, pour revenir au niveau terrestre, quand on est au niveau terrestre, bon, bien, les catastrophes, on les connaît, hein. C'est le volcanisme, le tremblement de terre, les inondations et, ouragans, tempêtes. On remarque au passage que c'est lié aux éléments fondamentaux. L'ouragan et la tempête sont liés à l'air, les volcans au feu, le tremblement de terre à l'élémentaire et les inondations, les déluges à l'eau. On retrouve là les quatre éléments à degrés divers. Il peut y avoir quelquefois un mélange des deux. Hein, c'est-à-dire, bon, un tremblement de terre plus un tsunami. Vous avez terre et eau, hein, comme celui qui s'est produit en Indonésie il y a quelque temps. Je crois que c'était 2004. Il y a eu le grand tremblement de terre en Indonésie. Hein, où il y a eu tellement touché de tsunami, tremblement de terre. Mais oui, un ami qui était il y a
encore récemment, hein, il y a 2 ans, a eu un tremblement de terre encore là-bas en Indonésie. Et il y a eu, je crois, il y a 2 ans, encore un tsunami assez plus léger, assez marqué, mais c'est important. Hein. Alors, celui-là a fait quand même sensation en bout de temps, hein, puisque ça a été ressenti dans les côtes est de l'Afrique et jusqu'en Thaïlande, etc., en Malaisie, hein, à partir de l'Indonésie. Donc, je crois qu'il y a eu 300 000 morts. Donc là, c'était quand même le gros truc. Hein. Alors, on a des exemples d'un peu tout, hein, bien entendu. On a Pompéi pour le Vésuve. Là, ça a marqué. Hein, parce qu'il y a une ville romaine qui a été totalement détruite, recouverte par la lave. On a la fameuse montagne Pelée à la Martinique, etc. C'était en 1902, je crois. Hein. Alors, bien entendu, on peut pas mettre sur le même plan tout ça. Quand il y a des éruptions volcaniques, dans les régions, il y a des volcans. Alors, sur Terre, c'est quand même assez limité. Hein, il y en a dans l'est de l'Afrique. Bon, le Kilimanjaro, c'est un volcan. Il y en a au Japon. Il y en a en Indonésie, beaucoup. Alors, très peu en Europe. Un peu en Sicile. Il y a l'Etna, etc. Et puis, sur la bordure ouest du continent américain, hein, il y en a dans les montagnes rocheuses et il y en a au Mexique, fameux Popocatépetl de Mexico est un volcan. Donc, c'est quand même très limité en surface. Hein, et bon, il y a une population locale qui n'est pas loin, comme Pompéi, c'était malheureusement très près du Vésuve d'un point de vue construction. Tant que le volcan n'est pas en éruption, ben, les humains ont tendance à s'y installer parce que les terres volcaniques sont très fertiles. Alors, on a tendance à s'y mettre, puis on croit toujours que les explosions, c'était pour les temps d'avant et que les volcans sont éteints. Or, visiblement, à part quelques volcans à l'intérieur des terres qui ont été très actifs il y a 10 000, 50 000 ans, etc. Ah, bon, Les fameux volcans d'Auvergne. Voilà, les fameux volcans d'Auvergne, donc qui ont été très, très actifs à certains moments. Quoi. Donc, ils sont censés être éteints aujourd'hui, mais bon, les spécialistes disent, vous savez, éteint, c'est jamais définitif. Mais bon, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le sous-sol, bien entendu. Alors, les tremblements de terre, là, ont lieu le long de, comment dire, des limites de fracture de l'écorce terrestre. Et donc là, c'est si vous êtes sur une limite dite de plaque tectonique que vous avez le tremblement de terre. Et chaque fois qu'il y en a un, que ce soit en Méditerranée, au Maroc, en Inde, dans le Caucase, etc., c'est toujours sur une limite de plaque. Parce que c'est là où les plaques bougent et frottent. Alors, c'est relativement limité en surface, puisque ces limites de plaques, bien sûr, ne sont pas partout. Ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas se produire ailleurs. Quelquefois, ça se produit à 100, 200, 300 km hein, de la limite de plaque. Alors, ça peut paraître curieux à certains de dire les tremblements de terre ont lieu le long de la limite des plaques tectoniques. Qu'est-ce que c'est ? Alors là, ça... C'est une théorie quand même récente qui a été donc trouvée par un savant qui s'appelle Wegener. Donc je crois qu'on a cher monsieur Wegener. J'ai une petite photo en image. Voilà. Alors c'est un savant allemand. Voilà monsieur Wegener. Alors c'est début du 20e siècle, fin 19e, début 20e siècle, sa théorie de 1915. Donc c'était en pleine guerre mais lui il faisait des recherches là-dessus. Ah. Rien à voir avec, bien sûr, Wagner, hein, le grand musicien allemand. Là, c'est un allemand aussi, mais ça s'écrit W-E-G-E-N-E-R, Wegener. Donc, lui, il a eu l'idée, en regardant la carte des continents, en voyageant, que les continents dérivés, c'est-à-dire se déplacer, bouger, qu'ils n'étaient pas forcément toujours à la même place. Et c'est une constatation qu'on pourrait faire nous-mêmes. Puisque quand vous regardez une carte du monde, un planisphère, on appelle ça, vous avez, bien entendu, si vous regardez l'Est de l'Amérique du Sud et l'Ouest de l'Afrique, vous voyez bien que les continents s'emboîtent. C'est moins flagrant au niveau de l'Amérique du Nord et de l'Europe, alors au niveau de la partie Sud, c'est très flagrant. Et si vous regardez l'Est de l'Afrique et la côte Ouest de l'Inde, vous voyez qu'il y a eu un emboîtage. Pareil entre la Nouvelle-Guinée et l'Australie, etc. Et lui, il s'est dit, bon, à un moment, tout devait être emboîté, tout a bougé et tout s'est déplacé.
à rester expliquer comment, parce que lui, il comprenait qu'il y avait une dérive, qu'il y avait un mouvement, mais comment ça pouvait se produire? Eh bien, ça se produit par des mouvements qui ont eu lieu à l'intérieur de la Terre. Donc, il y a des forces particulières qui font se déplacer l'écorce. Et l'écorce, à certains moments, se casse. Ça se casse en plusieurs morceaux. Et ces morceaux, voilà, vous avez des exemples. Alors, vous voyez, là, si vous partez de la plus ancienne, la fameuse Pangée, vous voyez, en haut à gauche, 225 millions d'années, on ne remonte pas à l'origine de la Terre, hein, 4 milliards et demi d'années. Hein. Donc, il fut un temps où, quand il y a eu une Terre émergée qui est apparue, alors, au début, c'est un océan entier sans aucune Terre, il y avait de l'eau, la Terre était complètement océanique, et à un moment, pour X raisons, de force interne, etc., une partie solide a émergé. Alors, il y a eu bien avant 225 millions d'années, bien sûr, des continents. Là, c'est ce qu'on a pu reconstituer à une certaine époque. Donc, la fameuse Pangée veut dire, en dire Terre unique, ben, vous reconnaissez un petit peu certains continents, ils étaient tous en embrouillés un seul morceau. Et avec l'énergie donc intérieure à la Terre, eh bien, ça s'est cassé. Et vous voyez, dans la deuxième partie, 200 millions d'années, eh bien, il y a eu plusieurs parties. Ouais, on alors, voit les continents qu'on connaît commencer à se dessiner peu à peu. Voilà, alors on en repère un petit peu ce qui serait l'Ouest, qui serait la Russie, l'Afrique un peu dans le milieu, et l'Amérique du Sud. Vous voyez où c'est écrit Gondwanaland, G-O-N-D, là. Vous avez bien Afrique et Amérique du Sud. Et donc, ces mouvements qui font bouger les plaques. Alors, imaginez, hein, c'est à la taille d'un continent, hein. C'est à la taille de l'Afrique, c'est à la taille de la Russie, c'est à la taille de l'Antarctique. Hein. Ces forces considérables font déplacer ces morceaux gigantesques d'écorce qui flottent comme des radeaux sur ce qu'on appelle le manteau. Le manteau de la Terre, c'est des roches plus ou moins visqueuses. Hein, et ça leur permet justement, sinon il n'y aurait pas de mouvement possible si c'était solide, hein, de se déplacer. Et la tectonique des plaques, qu'est-ce que c'est? Ce qu'on appelle la tectonique des plaques, ben, c'est leur déplacement. C'est-à-dire, soit ces continents se télescopent, c'est-à-dire ces plaques avancent l'une vers l'autre, ben, ça rentre dedans, bien sûr, ça fait des dégâts considérables, soit s'écartent. Hein, on a, par exemple, aujourd'hui, on sait très bien que l'Amérique s'écarte de l'Europe et de l'Afrique, avec une gigantesque faille qui est dans le fond de l'Atlantique, et ça s'écarte de 1 cm et demi, 2 et demi par an, selon les endroits. Mais à l'époque, c'est 5, 10, 15, peut-être plus. Donc, à un moment, il y a une accélération, hein, des rives des continents. Et là, on a bien vu, hein, comment ça s'est passé. À un moment, il y avait deux morceaux. Il y avait la partie nord qui s'appelait, si tu peux repasser les images des continents, une partie nord qui s'appelait Laurentia. Vous voyez, quand on est à 200 millions d'années, hein. Vous voyez, l'Eurasia ou Laurentia, en fait, il y avait le continent Laurentia à l'ouest. Vous voyez où c'est faillé dans le milieu au niveau du R, il y avait la partie ouest, ça correspond à l'Amérique du Nord et au Canada, l'Irlande, l'Angleterre, etc. Et l'autre partie à la Scandinavie, à la Russie, etc. Et en dessous, il y a la partie qui s'appelait Gondwana, et Gondwana avait les continents que j'ai cités tout à l'heure, hein, l'Afrique, l'Amérique du Sud. Vous voyez que l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord étaient séparés. Il y avait un isthme marin entre deux. Et à une certaine époque, l'Australie et l'Antarctique d'aujourd'hui étaient collés à l'Afrique et à l'Amérique du Sud. Donc, ça s'appelait le Gondwana. Et après, vous voyez, Jurassique, 150 millions d'années. Bon, les continents sont encore emboîtés, mais on sent bien que l'Antarctique, l'Australie sont en train de dégager. Et puis, à 65 millions d'années, ça ressemble un peu aujourd'hui. Vous retrouvez l'Antarctique, hein, tout au sud, et vous retrouvez l'Amérique du Sud, etc., etc. L'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord ne sont pas encore collées, mais l'une se rapproche de l'autre parce que des continents s'écartent l'un de l'autre, des continents se rapprochent l'un de l'autre. Et puis, alors, la grande, grande surprise, c'est que des continents passent sous un autre. Bon, c'est-à-dire que quelquefois, le télescopage est frontal, ça fait surgir une chaîne de montagnes. En gros, pour parler le langage de la rue, les continents se rendent dedans. Et quelquefois, quand c'est un petit qui se télescope avec un grand, le petit n'est pas assez fort pour le pousser, il glisse en dessous. Alors, on a un exemple typique qui est l'Inde.
L'Inde a une histoire géologique absolument hallucinante, puisque l'Inde avant était collée à l'Afrique. Alors, je ne sais pas si tu as des images là-dessus, je ne crois pas. Ah, mais l'Inde avant était collée à l'Afrique. On voit bien la partie en creux de l'Afrique, en dessous de la pointe de Somalie où il y avait l'Inde. Il y a eu une fracture sur toute la hauteur de l'écorce et l'Inde a dérivé dans l'océan, dit Indien aujourd'hui. À un moment, on était en plein milieu de l'océan. Bien, ça a commencé 90 millions en Jésus-Christ. À peu près 50 millions d'années, elle était dans le milieu de l'océan Indien. Puis quand elle est arrivée vers l'Asie, eh bien, elle s'est encastrée dans le continent. D'accord, donc l'Inde au début n'était pas rattachée en termes de terre émergée au continent asiatique. Alors là, on a un exemple de dérive de continent tectonique des plaques phénoménale, puisque cassure, dérive et une terre qui a changé de continent, c'est-à-dire une Inde africaine est devenue une Inde asiatique. Alors, comme on le sait, qu'on fait des études très poussées pour dire comment ça se fait qu'on retrouve dans le sud de l'Inde les mêmes végétaux et le même type de roches, avec les mêmes densités de roches qu'on a dans l'est de l'Afrique. Les expertises aujourd'hui prouvent ça. En regardant une carte, Wegener pouvait dire « Tiens, le contour ressemble un peu à ceci, ressemble un peu à cela. » Mais maintenant, on a des preuves géologiques. Alors, il y a un commentaire de Franck qui nous dit « D'après les nouveaux calculs, tous les continents se rapprochent indéniablement vers le pôle Nord. » Alors, tu as déjà eu écho de ce fait-là? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a une thèse qui veut que la tendance naturelle de la Terre se soit de regrouper tous les continents. Donc, en gros, éparpillement et puis après, regroupement. En gros, c'est de revenir à l'un. C'était l'unité au départ, ça casse, tout est… Alors, comme la Terre est ronde, bien entendu, et que ces continents ont un mouvement, on se regroupe. On a déjà vu la Pangée, on avait peut-être tout au début de la Terre le premier continent. Forcément, on était unique, il n'y avait pas de raison qu'il y ait 20 000 morceaux au début. Alors, au moment, c'est très éparpillé, mais comme tout bouge, tout finit par se recoller. Si on prend l'exemple le plus simple, un écartement au niveau de l'Europe et de l'Amérique, bien entendu, donc l'Atlantique s'élargit, mais bien entendu, comme c'est… Comme de l'autre côté, ça se recolle de l'autre côté. Donc, au niveau de la Sibérie et de l'Alaska, ça se recogne. Donc, à un moment, le Pacifique sera compressé, il y aura peut-être plus qu'un… un mince filet d'eau de la largeur de la mer Rouge, et puis l'Atlantique sera très grand, et à un moment, tout se recollera. Donc, ce n'est pas quelque chose de faux. Le prouver scientifiquement, c'est un peu plus difficile. Mais bon, l'idée dans la tradition ésotérique, c'est de dire qu'au départ, il y avait un océan et une terre émergée. Symbolisé d'ailleurs dans les symboles anciens par une pyramide, en gros représenter des ondulations pour l'océan primordial et une terre émergée. Et la symbolique de la pyramide. Voilà, et des ondulations pour l'élément liquide, ce qui est déjà quand même assez extraordinaire. Mais cette idée, n'est pas du tout fausse. Bon, les exemples, j'ai pris l'exemple de l'Inde parce que c'est quand même très, très caricatural quand même, quand on a du mal à le croire. C'est-à-dire quand on raconte ça dans les cours de géologie à l'école, eh bien on dit, voyez, l'Inde que vous connaissez tous avec les éléphants et puis les temples, etc. À un moment, c'était collé à l'Afrique. Justement, il y a un commentaire, mais je ne sais pas si en termes de temps, ça correspond. Mais il y a Tifo qui nous dit, ça explique le pourquoi on retrouve des éléphants en Afrique autant qu'en Inde. Je pense peut-être que ces espèces ont évolué bien après cette dérive des continents. Mais qui sait, peut-être une évolution. Oui, bien sûr, Et bon, une racine commune due à une géographie proche à l'époque. C'est vrai, au niveau de certains animaux, on sait qu'il y en a, par exemple, que sur tel continent. Donc, il a été trop, trop longtemps isolé. À un moment, certains animaux, alors surtout dans les couches profondes, on s'aperçoit que ce sont les mêmes. Au niveau des fossiles, par exemple, on trouve les mêmes. Tiens, on dit, à un certain moment, ça devait être collé. Il y a cette idée-là aussi. Donc, on a, vous voyez, des exemples. Plus proche de chez nous, la plaque africaine pousse contre l'Europe. Elle monte vers l'Europe. Donc, la Méditerranée se compresse aussi. À un moment, il n'y aura plus du détroit de Gibraltar. Ce sera collé par la poussée africaine. Alors, c'est pour ça que la Méditerranée est une zone instable d'un point de vue tremblement au niveau de la Sicile, de l'Italie, la Grèce, parce que vous avez ce genre de choses. Bon, voilà un peu pour cette question.
C'était rien que pour dire que tout bougeait, tout se déplaçait, que les continents tels des radeaux, eh bien, avaient un mouvement et que ça donnait une idée quand même d'une planète vivante, animée. Si les continents étaient figés définitivement, la Terre serait totalement solide, on n'aurait peut-être pas du tout les mêmes événements. Hein. Alors, autre élément de ce qui fait les catastrophes, c'est l'histoire du climat. Alors là aussi, les climats ont beaucoup changé, hein, puisque une certaine époque, ben, il faisait bien plus chaud sur la Terre. Autant de nos fameux dinosaures, là, on avait une température semi-tropicale presque partout, puisqu'on retrouve des squelettes de dinosaures en Amérique du Nord, en Europe, en Sibérie, un peu partout. Et donc, on a étudié les climats avant d'étudier ces gigantesques reptiles, hein, et la température de la Terre a quand même beaucoup varié. Hein, il fut un temps, il y avait une température moyenne sur Terre de 47 degrés. Ah oui. Alors forcément, eh bien, ce climat tropical était presque partout, il faisait 26 degrés au pôle. On a des preuves, hein, par l'étude des roches pour montrer que où elles se sont déposées, eh bien, ne pouvaient correspondre qu'à un climat tropical. Ben, elles ne sont pas du tout au climat tropical aujourd'hui, quoi. Alors après, comme tout le monde sait, il y a eu l'glaciation. À une certaine époque, eh bien, les glaces fondent parce qu'il y a un réchauffement. Et puis, il y a eu 4 glaciations et 4 réchauffements climatiques. Et après, bien sûr, la fonte des glaces qui suit, disons, une glaciation, et forcément, la glace se retransformant en eau, tout le niveau mondial des océans remonte. Donc, en fait, ces catastrophes, entre guillemets, s'expliquent par tout un jeu climatique. Maintenant, on a connu l'inverse, on a connu la Terre complètement congelée. C'est-à-dire avec des températures en dessous de zéro à l'équateur. Bon, à un moment, la Terre était une boule de glace, à un moment, la Terre était dans les 50 degrés. Et la température moyenne de la Terre, quand même, depuis les derniers milliers d'années, est 15 degrés. C'est la température moyenne du globe. Hein. Il y a des endroits où il va faire 50, des endroits au Groenland, il va peut-être faire moins 10, en Sibérie, moins 40. Hein. Mais globalement, la température moyenne est 15 degrés, ce qui est relativement supportable, c'est le climat tempéré. Maintenant, ça peut se réchauffer beaucoup, redescendre beaucoup, mais quelque chose est à retenir, c'est que ça change toujours. On n'a pas éternellement la même température moyenne de la Terre. Et actuellement, si on dit ces pauvres hommes qui font des bêtises, eh bien, ils sont cause de réchauffement, on n'a pas réchauffé à l'heure secondaire où il n'y avait pas d'humains, c'est-à-dire qu'on n'y était pour rien dans le réchauffement. Il peut y avoir réchauffement sans activité humaine. Voilà. Bien entendu. Hein. Après, la place de l'homme dans celui qu'on est en train de... Bien entendu. Alors là, on rentre dans certains mystères parce qu'on se dit, mais alors pourquoi ça se réchauffe à un point pareil, c'est-à-dire doubler les degrés? Pourquoi les températures dégringolent totalement? Puisque là, soit c'est des événements propres à l'atmosphère, les écarts sont quand même très très importants, soit il y a d'autres phénomènes. Hein. Alors ça peut être des phénomènes cosmiques. Bon. Parce que notre Soleil et notre système solaire se déplacent dans la galaxie. En fait, il fait le tour de la galaxie. Donc, il est sur les bras extérieurs de la galaxie spirale, parce qu'on est une galaxie spirale, voilà, actée, et tout à fait sur la bordure, hein, mais il fait le tour. Comme il fait le tour en 100 millions d'années, il attend de circuler. Mais à certains endroits, il est peut-être face à des constellations X, à des nuages de gaz, à des nuages de ceci, à des conditions particulières qui changent le climat sur la Terre. Donc, ça vient pas toujours forcément de l'intérieur du globe. Alors là, quand on étudie tout ça, forcément, c'est très compliqué, puis on n'a pas tellement de preuves. Hein. Alors, quelque chose de très intéressant à retenir pour nous, quand même, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de planètes habitables. Hein, parce que pour que la planète soit habitable, il faut qu'il y ait une atmosphère, il faut qu'elle soit ni trop grosse, ni trop petite, il faut qu'elle soit à une certaine distance d'une étoile, c'est-à-dire nous pour le Soleil. Ah, si c'est trop loin, il fait trop froid. Si on est trop près, on est carbonisé. Donc, quand on dit, oui, mais il y a d'autres systèmes solaires, il y a peut-être des planètes habitables, il faut voir un petit peu la distance par rapport à l'étoile centrale. Et quand on a un Soleil qui est 100 fois la taille de notre Soleil, forcément, c'est habitable beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, ça réduit énormément le nombre de planètes où il pourrait y avoir des êtres vivants. Hein. Bon, alors, les conditions sont insupportables sur notre planète. Hein. Quand on dit aller coloniser Vénus ou Uranus, etc., sur Vénus, il fait 460 degrés. Donc, forcément, c'est très proche du Soleil, il n'y a pas d'atmosphère,
chaleur épouvantable. C'est pour ça que Vénus est peut-être très chaude en astrologie, parce qu'on dit, bah, c'est les déesses Vénus, alors c'est très chaud. Bah, 460 degrés, quand vous êtes sur Uranus, là, vous êtes à moins 210. Bon. Alors, bon, on voit bien que c'est nous, notre Terre, qui est habituée à avoir quelque chose de viable, au moins pour la nature humaine. Maintenant, si on avait des corps qui pouvaient résister au moins 100, au moins 150, on vivrait sur une planète très froide. Mais bon, vu notre constitution, c'est la seule planète où on peut habiter. On suppose que c'est comme ça dans d'autres systèmes solaires. Alors voilà, on en est dans ce qu'on pourrait appeler notre cadre. Là, on est beaucoup dans les choses générales, hein, d'un point de vue climatique. Et puis alors, il y a les fameux astéroïdes. Hein, c'est-à-dire c'est des rochers, quelquefois très gros. Hein, un astéroïde peut faire un mètre de diamètre, peut faire 10 mètres, peut faire 100 mètres, et peut faire 1, 10, 20, 30 kilomètres de diamètre. Hein. Donc ça se balade dans le cosmos, il n'y a rien d'un point de vue atmosphère qui freine dans le cosmos, bien entendu. Donc ils vont à une vitesse folle, hein, c'est 15 kilomètres seconde hein, en moyenne. Hein. Donc, c'est des milliers de kilomètres heure. Alors, forcément, vu la vastitude du cosmos, c'est pas forcément une planète sur la trajectoire. Quand il y en a une juste sur la trajectoire, rentre dedans. Ce qui fait le dégât, c'est le point d'impact. Hein, il y a la grosseur d'astéroïde. Forcément, s'il fait 100 mètres ou 1 mètre, c'est totalement différent. Et avec quelle vitesse il arrive, hein. Alors, on a des exemples de ces météorites. Météorites, un petit, l'astéroïde, hein, c'est le gros machin. À pas confondre d'ailleurs avec des comètes, qui sont des boules de glace avec une queue qui est l'évaporation de la glace quand ça rentre dans la proximité du Soleil. Hein, mais les astéroïdes, en gros, c'est le rocher, hein, c'est une masse de rochers, donc de différentes tailles venant justement peut-être de planètes éclatées, de planètes errantes, de tout ce qui s'en suit. Donc, on a des points d'impact sur Terre, il y a un très très grand point d'impact au large du Canada, à l'est du Canada. On dit que la baie d'Hudson, là, dans le nord du Canada, eh bien, c'est un cratère de météorite. Et puis, il y a le fameux cratère du Mexique, qui s'appelle Chuxulub, et le cratère de Chuxulub. Alors, je ne sais pas si c'est celui-là. C'est peut-être celui du météore cratère aux États-Unis, celui-là. Bon, là, vous avez un exemple, hein, d'impact de météorite. Alors là, on sait que ce n'est pas un cratère de volcan, parce que vous n'avez pas de cône volcanique. Hein. Et là, vu les roches qui ont été complètement cristallisés, c'est un impact de météorite, hein, assez conséquent, parce que là, ce qui a frappé avait quand même quelques dizaines de mètres de large. Alors, celui du Mexique dont je parlais, bien, il était très, très célèbre, parce que là, vous avez la même chose vue par-dessus. Hein, ce cratère donc du Mexique, pas un cratère volcanique, hein, mais un cratère d'impact d'astéroïdes, eh bien, c'est celui qui est responsable de la disparition des dinosaures. Donc, ça s'est passé en 65 millions d'années avant notre époque. Voilà, le fameux dinosaure, vous voyez, alors, là, l'image représenterait une chute de multiples météorites, une pluie météorite, comme on dit. Bon. Alors que c'est plus un gros météorite qui a, oui, c'est plus qui a été responsable de cette explosion. Mais les pluies de météorites, comme on voit sur l'image, là, existent aussi. Il y a un moment, la Terre a été bombardée par des milliers de météorites de toute taille. Mais il n'y avait pas d'humains, il n'y avait même pas d'animaux, il n'y avait pas de dinosaures. C'était en 4 milliards avant notre époque. Du temps des dinosaures, on est beaucoup plus proche, hein. On est il y a 65 millions d'années. Et donc, alors, pourquoi un cratère tuerait ces reptiles et ces dinosaures et d'ailleurs des milliers d'autres espèces, hein? Parce que les dinosaures représentaient que 15% des espèces de l'époque. Alors, c'est les plus connus, parce qu'on retrouve les squelettes. Et les plus gros. Ah ben, et puis c'était très gros, mais il y avait des centaines, des milliers d'autres espèces qui ont fait les frais, hein, de la catastrophe aussi. C'est parce que quand vous avez l'impact, ça dégage un nuage de poussière, de cendres, tout ce qui a fait l'explosion. C'est gigantesque, ça équivaut en force à des tas de bombes atomiques et ça crée un nuage de poussière qui tourne autour de la Terre. Et les rayons du soleil ne passent plus. Donc en fait, après une chute d'astéroïdes, vous avez un refroidissement considérable de plusieurs dizaines de degrés. Et donc là vraiment, le changement climatique, on l'a. Alors là, en quelques semaines, en quelques mois, et tous les animaux qui sont adaptés à la chaleur, disparaissent. C'est le deuxième effet qui se coule. Oui,
Alors, des espèces ont survécu. C'est là que les mammifères ont triomphé. Est-ce qu'ils ont occupé la place laissée par les dinosaures et toutes les autres espèces, parce que eux, peut-être petits et se réfugiant dans les rochers et autres, eh bien, ont pu survivre. En fait, ça a permis le triomphe du mammifère, c'est avant que, bien sûr, les poussières se dissipent et que le soleil renvoie ses rayons normalement jusqu'au niveau du sol, etc., etc. Donc, forcément, là, c'est la big catastrophe. Alors, on peut dire, oui, mais il n'y avait pas d'humain. Tant mieux, mais si on avait eu, le résultat est le même. Oui, aujourd'hui, la Terre connaît un tel impact d'un météorite comme l'ont connu les dinosaures, c'est le résultat sera le même pour nous. Ah oui. Bon, on en verra quelques-uns après, parce que ça fait partie des scénarios possibles. J'allais dire du futur, parce que quand on interroge des géologues, des astrophysiciens là-dessus, bon, vous disent que la probabilité qu'un astéroïde très très gros, c'est-à-dire quand très très gros, c'est au-delà de 100 mètres à 1 km de diamètre. Il peut y en avoir de 100 mètres de diamètre, hein. 1 km, 10 km. Alors si c'est encore plus gros, bon, c'est absolument effrayant. Bien entendu, ça fait des dégâts considérables où ça tombe. Hein? Mais avec ce fameux nuage de poussière, ça change le climat sur toute la planète. Bon, alors même si ça tombait dans l'océan, quand on dit ça tombe dans l'océan, ça va tomber dans le Pacifique, ça fera mal à personne, pas du tout, parce que là l'océan se met à bouillir, et vous avez le tsunami sur tous les rivages. Donc bon, il ne faut pas espérer hein, ce genre de choses. Donc c'est quand même quelque chose de très particulier, mais qui a lieu. Donc pour en revenir à ce que disent les savants, c'est très très rare qu'il y en ait un très gros qui tombe, mais on n'est pas à l'abri qu'il en tombe. Ça a eu lieu il y a 65 millions d'années, ben, c'est pas beaucoup, mais dans le futur... Bon, pourquoi pas cette nuit ou dans 10 ans ou dans 100 ans? Voilà. Alors, c'est toujours pareil, hein, quand on prévoit ce genre de choses, ça peut être demain ou dans 1000 ans. Quoi. Donc, n'a pas, mais enfin, potentiellement, vu que là, on a des preuves que ça existait, sans compter les milliers de petits hein, qui ont profité ces dégâts-là, bon, on a un problème particulier. Alors, voilà pour cette première partie. En gros, les catastrophes vues au niveau cosmique et terrestre sans humain. Hein. Maintenant, on va rentrer dans les fameuses histoires de déluge. Parce que ce qui est resté dans la mémoire humaine, c'est pas tellement les dinosaures, parce que dans les siècles passés, je savais même pas qu'ils avaient existé. Hein. C'est récent de retrouver des carcasses de dinosaures, c'est récent d'étudier leur fin. Donc, dans l'Antiquité, les dinosaures... Alors, par contre, les déluges, alors là, le fait que la Terre soit inondée, c'est dans toutes les chroniques. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que toutes les civilisations du monde parlent de déluges. Même, on suppose, où il n'y en aurait pas eu. Alors, en Océanie, les tribus parlent de déluges, les Amérindiens, les Cheyennes, les Sioux parlent de déluges, les Mayas parlent de déluges. Alors, les Scandinaves parlent de déluges. Bon, ah, bien sûr, la Bible et le Noé parlent de déluges. Bon, on se dit, alors, s'il y a... ce déluge, et que tout le monde en parle, il est universel. Est-ce que c'est le même d'abord ? Alors, voilà, tu poses une très très bonne question. Est-ce que ce déluge dont toutes les civilisations parlent, c'est le même ? Ben, pas vraiment selon la façon dont on le décrit. Et dans certaines histoires anciennes, bon, on s'aperçoit bien que c'est localisé à un pays. Hein, c'est-à-dire que la façon dont ça se passe, et vous allez voir quelques exemples après, bon, c'est très localisé. Ensuite, il y a eu un déluge universel, on discutait pas mal de la date. Bien sûr. Alors, de dire, ben, alors, il faut avoir des preuves. Hein. On a certaines preuves, hein, je vous en donnerai quelques-unes tout à l'heure, pour prouver qu'un endroit, il y a eu une gigantesque inondation. Est-ce qu'on peut la prouver pour toute la Terre à la même époque? C'est nettement moins sûr. Hein? Alors, parmi tous ces déluges, on ne va pas tous les passer, hein, puisque chaque mythologie, chaque civilisation en a une. Enfin, une histoire de déluge. Alors, il y a un déluge grec qu'on appelle déluge de Deucalion. Alors, je crois qu'il y a une image de Deucalion. Alors, celui-là, moi, je ne le connaissais pas du tout avant que tu m'en parles quand on a préparé l'émission. Ah bon? Donc,
Ah ben, il y en a peut-être beaucoup qui ne sont pas connus parce que je suppose que le déluge indien de l'Inde ou les déluges en Amérique du Nord sont moins connus. C'est vrai. Oui, parce que nous, on connaît que le déluge biblique, hein, en gros. Exactement. Alors, pour ce déluge de Deucalion, Deucalion, c'est un personnage de la mythologie grecque qui est fils de Prométhée. Alors, Prométhée, c'est déjà une vedette, hein, parce que Prométhée a voulu voler le feu des dieux pour le donner aux hommes. Et donc voilà, Prométhée était très proche de l'humain, hein, il aimait bien, les dieux étaient toujours plus ou moins à persécuter ces pauvres hommes, et il trouvait que les hommes vivaient dans le froid, dans la pauvreté, etc., parce que c'était une époque où ils ne connaissaient pas le feu, et donc Prométhée, ça explique l'origine du feu au passage, hein, Prométhée a été dans la forge d'Héphaïstos, le forgeron des dieux, et a pris dans le foyer une torche avec le feu, l'a offert aux hommes. Alors, courroux de Zeus, bien entendu, et des dieux d'Olympe, pour dire que d'abord il y avait eu vol, que c'était un sacrilège, que c'était le feu divin, et surtout, qu'est-ce que ces hommes allaient bien pouvoir faire du feu, et certainement des bêtises. Bon, et que décide Zeus? Eh bien, un peu la même chose que ce qu'on raconte dans la Bible, décida de supprimer l'humanité. Voilà, l'humanité avait failli, elle avait acquis le feu, acquis donc peut-être des moyens de forger des armes, ou etc., peut-être de tout incendier, enfin des choses abominables, et donc on détruit cette humanité. Et puis, alors, curieusement, le fameux Deucalion et sa femme Pyrrha, P-Y-2-R-H-A, eh bien, trouvèrent grâce aux yeux de Zeus. Et on conseilla à ce Deucalion de construire une arche. Bon. Et puis, bien sûr, le déluge arrive et puis l'arche flotte sur les eaux. Là, ce déluge dure 9 jours. Donc, vous verrez après qu'il y a des différences de jours selon toutes les légendes. On donne la durée qu'on veut au déluge selon les mythologies. Et puis, bien sûr, après, ce bateau va se poser quelque part. Il va se poser, donc, il y a plusieurs versions. Dans la première version, sur le mont Parnasse, qui est la montagne qui surplombe Delphes. Donc, c'est une grande montagne, c'est pas l'Olympe, là, l'Olympe, c'est les dieux, mais se pose sur le mont Parnasse. Bon, d'autres disent que ça se pose en Thessalie, ça se pose un peu partout, et bien sûr, ce Deucalion et sa femme Pyrrha vont procréer et faire une nouvelle humanité. Hein, donc, il y a destruction de l'humanité, prise de l'humanité. Bon, il y a des histoires du déluge en Grèce qui se passent à Rhodes. Là, il y en aurait eu 4. Mais là, ça concernerait que Rhodes. Il y a un déluge très curieux qui se passe en Arcadie. Alors, en Arcadie, c'est une vengeance de Zeus contre les humains aussi. Zeus était très fâché contre les humains parce que beaucoup se livraient au cannibalisme. Alors, c'était encore une époque du cannibalisme sur la terre et des sacrifices humains. Et il y avait un roi, donc Lycaon, le roi Lycaon qui vivait en Arcadie, une fameuse Arcadie des légendes, in Arcadia ego, l'image du paradis. Ben là, c'était pas tellement le paradis, son roi, donc bon, tuer des humains, manger de la chair humaine. Et un jour, il a fait le tour à Zeus lui-même, invitant Zeus à dîner, il lui a offert de la chair humaine à manger. Zeus en est aperçu et a décidé l'éradication du genre humain aussi. Bon. Alors, là, il y a eu des rescapés aussi. Les rescapés ont suivi les loups. Alors, c'est très, très curieux. Les loups qui avaient détalé en premier s'étaient sauvés vers les montagnes, les humains, un groupe, hein, l'avaient suivi pour les suivre, etc., etc. Alors là, on est dans le déluge grec. Bon. Alors, quand on voit les lieux d'amérissage du bateau, c'est-à-dire soit Rhodes, soit la Thessalie, soit le mont Parnasse, et un autre déluge qui se situe en Arcadie, c'est le niveau du Péloponnèse aujourd'hui, bah visiblement le déluge est en Grèce. Oui, c'est un déluge localisé. Voilà, donc là, on ne dit pas que les eaux seront passées au-dessus de toutes les montagnes de la Terre. La question, donc, c'est est-ce que les Grecs avaient une connaissance géographique qui leur permettait d'extrapoler ce mythe-là du déluge plus loin que les frontières de leur territoire? Alors, peut-être pas à l'époque où ça a été inventé, mais sans doute à l'époque où ça a été mis par écrit. Parce que cet écrit-là du déluge de Deucalion, on l'a qu'à partir du 5e siècle, avant Jésus-Christ.
Et à partir du 4e siècle, dans Platon, alors lui, Platon, il aimait bien toutes les histoires mystérieuses, l'Égypte, l'engloutissement de l'Atlantide, ben justement, il en a rapporté le déluge de Décalion, donc il a rapporté beaucoup, mais bien sûr, il y a une histoire très très connue antérieurement, mais connue à partir de telle époque, puisque dans l'Iliade de l'Odyssée, on ne parle pas du tout de déluge. Là, c'est les voyages d'Ulysse à travers toute la Terre, la géographie était très très connue. Si dans le déluge de Décalion, qui est plus tard, alors, l'événement s'est peut-être produit avant, mais le récit, lui, était relativement récent, eh bien, les connaissances géographiques, normalement, si le texte ou la tradition orale est très, très ancienne, devrait être plus étendue que la Grèce, on suppose quand même que depuis l'Odyssée, les Grecs connaissaient bah, jusqu'à même l'Irlande hein, et l'Écosse, hein, puisque dans l'Odyssée, les paysages décrits montrent que Ulysse est allé dans ce coin-là. Hein, donc, alors là, on a peut-être... non pas des méconnaissances géographiques, mais l'idée que le déluge serait purement de Méditerranée orientale. Voilà, il est confiné à cette zone-là, bien qu'on connaisse... comme il y a eu une certaine époque, la fameuse explosion du volcan de Santorin, là, au large de la Crète, et d'ailleurs détruit au passage, ben, voilà encore une destruction gigantesque de la civilisation crétoise. Ça devait être en 1400 et quelques avant Jésus-Christ. Alors, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est le même récit transposé et mis à une autre sauce hein, on ne sait pas trop ce que ça a pu donner. Alors voilà un exemple. Alors, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais il y a un déluge indien, donc il y a un déluge amérindien. On en verra peut-être après, parce que bien sûr le gros morceau, c'est les déluges du Moyen-Orient, c'est-à-dire biblique et mésopotamien. Hein. Alors le déluge biblique avec l'arche de Noé est beaucoup plus connu. Hein. Il est connu de tout le monde d'ailleurs, qui a été au catéchisme, on a entendu parler. Monsieur le curé aime bien le déluge parce que les enfants, là, ça les intéresse beaucoup. Il y a des animaux ? Il y a des animaux, alors voilà, moi je me souviens quand j'y étais, alors l'image avec l'arche de Noé, puis par les lucarnes qu'il y a dans l'arche, il y a une tête de girafe, il y a une trompe d'éléphant, il y a une tête de buffle qui passe, et puis comme ça on apprend les animaux, et puis... ça parle aux enfants. Ça parle aux enfants, ça parle aux adultes, parce que alors voilà... l'image, vous voyez la fameuse arche, hein, très très curieuse, hein, avec deux bords recourbés comme un croissant lunaire. Et puis, alors il y a plusieurs étages, il y a trois ponts dans le bateau, hein, d'après la description du texte. Hein, et puis des endroits où loger, où mettre des familles, et puis une toiture, etc. Et bien sûr, Noé va faire rentrer dans l'arche. On voit les girafes qui montent là, sur le côté, et on va faire rentrer les animaux par couple. Hein, vous voyez tous les couples. Alors, pour les insectes et les rongeurs, c'est moins probant. Ils ont été sauvés aussi. Alors là, on voit surtout des mammifères. Forcément, c'est plus pratique. Même les crocodiles, amenés. Alors là, c'est bien sûr, quand vous êtes dans la Bible, le récit est toujours mis à une sauce morale. Hein, c'est-à-dire que Dieu est très mécontent des humains, il est fâché parce que l'histoire du déluge commence par Yahvé l'Éternel vit que l'homme ne pensait qu'au mal sur la terre et que il décida d'éliminer l'humanité, de la détruire. Alors c'est quand même assez hallucinant parce que déjà ça pose beaucoup de problèmes parce que vous avez Dieu qui vient de créer l'humanité et à un moment décide de la supprimer. Bon. Alors, je n'ai pas le temps de vous lire le texte entier, mais tout le monde pourra s'y reporter. Donc, c'est quasiment une parole d'extermination totale du genre humain. Ça fait quand même deux points assez proches entre ce déluge biblique et l'histoire de Noé et le déluge de Deucalion dont tu nous as parlé précédemment. Oui, là aussi, il y a un dieu qui veut exterminer l'espèce humaine. Il y a une histoire d'arche. Oui. Oui. Est-ce oui. qu'on peut imaginer qu'en fait... La tradition chrétienne a récupéré la tradition grecque. Oui, c'est possible. Ou l'inverse, hein, que les écrivains de la Bible, si vous voulez, ceux qui ont mis la Bible par écrit, ou les auteurs, sont plutôt inspirés des déluges mésopotamiens. Alors, ce serait plutôt les Grecs qui, avec Deucalion, auraient eu connaissance de ces histoires-là plus tard. D'accord. Hein, alors bon, maintenant on ne sait pas trop toujours dans quel sens ça marchait. Toujours est-il qu'il y avait un bain dans toute la région Égypte, puisque l'Égypte avait le souvenir de l'Atlantide, hein, la Grèce, la Mésopotamie, etc., des déluges. Hein.
Donc là, alors ce Dieu, il y avait l'Éternel décide la destruction complète de l'humanité, ce qui est déjà pas très sympathique, hein, mais on va dire qu'on peut pas donner des sentiments humains à Dieu. Il a ses raisons, nous on les connaît pas, nous on trouve que c'est très triste, mais bon. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Voilà, et si on se base sur la chronologie biblique, c'est quand même stupéfiant. Parce que selon la chronologie biblique, quand il y en avait une, les théologiens vous diront que la création d'Adam, c'est 4000 avant Jésus-Christ. Alors, si sous le patriarche Noé, on détruit l'humanité, l'humanité, elle n'a que 1600 ans. Donc, 1600 ans après l'avoir créé, Dieu détruit l'humanité qu'il a créée. Bon, pour des fautes absolument terribles, hein, sans doute, puisque... alors ça aussi, on a du mal à comprendre, mais là, on est dans la spiritualité, hein, plutôt que dans un récit de catastrophe, c'est que l'homme ne se livrait qu'au mal. Alors, la créature parfaite qu'avait fait, imparfaite entre guillemets, hein, parce que vous savez, quand Dieu fait la création, il vit que cela était bon, il créa un homme, il créa une femme, il leur dit croissez, multipliez, puis après il s'aperçoit que tout le monde est mauvais. Bon. Alors, le texte est peut-être arrangé pour des raisons religieuses, hein, on ne sait pas. Toujours est-il quand même qu'il y a quelqu'un qui trouve grâce à ses yeux, qui est beaucoup trop bon, beaucoup trop saint, beaucoup trop pur. Lui, il échappe totalement au verdict contre ces pauvres humains. Et lui, comme il est totalement innocent, ben lui doit être sauvé. Donc, Dieu va dire à Noé, qui est un patriarche, hein, c'est un gros grand chef des Hébreux quand même, de construire une arche et puis de prendre sa famille, mettre dedans, et des couples de tous les animaux. Alors, sa famille, c'est en fait lui et sa femme, trois fils et trois belles-filles. Donc, 8 personnes à l'intérieur de l'arche, une famille à quoi repeupler après. Alors, les couples d'animaux avec 7 couples des animaux purs et 1 couple des animaux impurs. Donc déjà, il y a une curiosité, on veut sauver quasiment tous les animaux de la planète, pas tous, il y en a des centaines de millions, mais 7 couples des purs pour être sûr qu'on n'en perd pas en route et qu'il en reste en cas de catastrophe, et puis 1 seul des couples impurs. Alors, qu'est-ce qu'il appelle les couples impurs ? Parce que les animaux dans l'Ancien Testament sont classés en purs, en impurs, ceux que l'homme doit manger, ceux que l'homme ne doit pas manger. Exemple, il y a un tabou sur le porc, on mange pas de serpent, on mange pas de porc, on mange pas les rats, on mange pas je sais pas quoi, et puis on mange le bovin, alors c'est dans Lévitique qu'il y a ça, en fonction que les sabots des animaux sont fendus ou pas, et puis on mange ou pas, par exemple on mange pas le cheval, le sabot n'est pas fendu, mais on mange le mouton. Etc. Alors, il y a toute une liste vertigineuse d'animaux purs et impurs, sous-entendus pour l'alimentation, la consommation et tout ce qui s'ensuit. Alors, forcément, c'est poser la question, comme quoi ça pose beaucoup déjà, le texte est à peine commencé, hein, ça pose déjà 36 questions, c'est-à-dire pourquoi sauver les impurs quand même qui, bon, auraient été bien de passer à la trappe. Eh bien, parce que les soi-disant animaux impurs ont un rôle dans la création. Alors non, pas pour l'homme, parce que le serpent très embêtant, les animaux dangereux, les tigres, etc. Mais comme ils font un carnage parmi des animaux autres, en fait, ils empêchent un déséquilibre de la nature en régularisant les espèces. En gros, chaque espèce est prédatrice d'une autre, ce qui fait que, bon, on maintient l'équilibre. C'est quand même, ça porte quand même une approche, une philosophie très manichéenne du regard qu'on porte sur les animaux. Oui. Alors bon, donc voilà, et puis alors tous ces animaux là par couple, alors imaginez d'un point de vue logistique, on fait pas le commentaire, c'est impossible. Parce que comment trouver tous ces animaux de la terre par couple quand vous voyez que dans l'arche on vous dit autant qu'on a mis des éléphants, des hippopotames et on a vu sur l'image les chameaux et on se dit mais alors les chameaux, bon il y en a plein au Moyen-Orient, ça va, mais les hippopotames ils les ont trouvés où? Si le déluge a eu lieu bien sûr en Mésopotamie ou en Méditerranée, donc les animaux, il fallait les chercher. Alors, certains animaux sont typiques de Chine ou d'Amérique du Sud. Bon, alors c'est très général, on suppose que l'idée, c'était de sauver les espèces animales, point barre, hein, et non pas toutes. Hein. Et puis les images ont bien sûr été faites après, pas du temps de Noé, hein, mais bien après. Donc on fait rentrer tous ces animaux dans l'arche, les 8 personnes
de la famille de Noé. Et puis voilà, alors bien sûr, toute la population rigole parce que Noé est en train de construire cette arche alors qu'il n'y a aucun signe de pluie. Et en tout cas d'une calamité qui va submerger la terre, donc il passe pour un fou, bien entendu. Puis les premières gouttes commencent à tomber, et ça tombe de plus en plus. Et alors on dit dans le texte, il pleut pendant 40 jours et 40 nuits. Bon, ce qui fait quand même beaucoup, mais là on a une symbolique des nombres, parce que 40 c'est pas du hasard, 40 c'est le nombre de l'épreuve, hein, parce que chaque fois qu'il y a une épreuve, c'est le nombre 40. Hein. Comme 40 années d'errance dans le désert de Moïse avec le peuple hébreu et 40 jours de jeûne du Christ dans le désert, etc. Enfin, c'est toujours, et la quarantaine pour les bateaux, le nombre 40, à cette symbolique là. Et puis, alors voilà, alors 40 jours, 40 nuits, il pleut, et puis après, bon, ben, il ne pleut plus, mais comment est l'état de la terre? Alors, comme on est dans l'arche et qu'on ne sait pas trop, il y a des petites lucarnes en haut, là, pour regarder. Bon, l'eau, il ne sait pas trop où les eaux peuvent avoir baissé, pas baissé, etc. Et donc, il va envoyer les oiseaux. C'est les fameux oiseaux. Il va envoyer un corbeau, ben, voler là, au-dessus des eaux. Le corbeau revient, rien, le renvoie, revient, rien, le renvoie, revient plus. Après, il envoie une colombe, elle revient, rien, renvoie la colombe. Et soudain, la colombe revient avec un rameau d'olivier dans le bec. Et là, Noé comprend que les eaux ont baissé, que la terre a reverdi et qu'on peut quitter l'arche. L'arche qui s'est échouée, d'après la légende, sur le mont Ararat, à la limite de l'Arménie et de la Turquie d'aujourd'hui. Hein. C'est en Anatolie, hein. C'est une très très grande montagne de cet endroit-là, au nord par rapport au Moyen-Orient, qui avait été totalement submergé. Voilà, donc... la famille en question et tous les animaux descendent, bien sûr, ils vont repeupler la terre, il faut attendre que les eaux baissent. Noé, bien sûr, fait un sacrifice, construit un autel pour faire un sacrifice à l'Éternel, en remerciement de l'avoir sauvé du déluge, bien entendu, et alors aussi plante une vigne. Première chose qu'il fait, c'est de planter une vigne, qui dans la symbolique hébraïque symbolise la vie. Il y a la vie. Beaucoup de symboliques, oui, dans cette histoire. La colombe avec le rameau d'olivier, ouais, voilà, comme symbole de la paix. La paix qui est revenue après la fâcherie de l'Éternel, etc. D'accord. Une humanité apaisée. Et puis, Dieu bénit Noé et sa famille et lui dit, ben, croissez et multipliez, comme il dira à Abraham, comme il a dit à Adam. Voilà, on repeuple, en gros. Hein, alors, l'histoire est très bien faite, quand même. Je vous passe les détails, parce que dans les détails, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce qu'en fait, il y a deux récits du déluge différents. C'est-à-dire, les experts ont vu que le texte n'était pas cohérent à certains endroits. Donc, en fait, on a écrit deux histoires de déluge à 3 siècles d'intervalle. Mais dans les Bibles, depuis, on a refondu les deux histoires. Mais quand on lit bien le texte, ça va pas bien ensemble. Au début, c'est la catastrophe. On va donner une version donc du 9e siècle avant Jésus-Christ, qui est, ben c'est la catastrophe, alors il pleut pendant 40 jours, Noé sauve sa famille, etc. Et dans la deuxième version, on va donner des détails techniques. On appelle cette version-là version sacerdotale, c'est-à-dire des grands prêtres, les lévites d'Israël, qui vont rajouter des détails au déluge. Donc en gros, la version qui est arrivée postérieurement est celle qui donne le plus d'informations. Oui. Ce qui est assez paradoxal. Donc on peut imaginer qu'ils ont quand même extrapolé à l'histoire. Ils ont arrangé les choses. En gros, dans le deuxième texte, on donne les dimensions de l'arche. On dit maintenant quel bois il est fait. On dit à Noé, tu prendras du bois de gopher. On sait même pas ce que c'est, d'ailleurs. Certains disent que ça ressemble à de l'acacia, donc c'est très étrange. Tu colmateras les planches avec du bitume, etc. On donne la longueur, la hauteur de l'arche. On dit, alors voilà, 300 coudées sur 150 sur 30, etc. Bon, ça correspondrait quand même à 135 mètres de longueur sur 50 de largeur, sur 15 ou 20 de hauteur. Ben, un grand machin, gigantesque, avec 3 ponts, donc, hein, parce qu'on loge les animaux, on loge les humains, on loge X, Y, etc., une toiture, hein, et, etc., etc. Donc là, on donne ce qu'on pourrait appeler les détails techniques. Au dire des experts en navigation, une arche comme ça, c'est sur, non pas sur l'Euphrate, mais dans l'océan, c'est renversé en 5 minutes. C'est-à-dire que, bon, en gros, un machin comme ça tient pas l'eau.
Oui, il n'y a pas, techniquement, ça, c'est pas crédible. Alors, sur ce déluge biblique, bon, déjà, il y a cette histoire du mont Ararat qui a arrêté le lieu sur lequel s'est échouée l'arche. Là, il y a eu des recherches qui ont été menées. Il y a même une équipe qui a trouvé des vestiges sur le mont Ararat, donc à prendre quand même avec un peu de recul. Est-ce qu'il y a des preuves, est-ce qu'on a des preuves de ce déluge biblique, des preuves géologiques ou autres? Alors là, pas tellement. Pas tellement. On en a pour la Mésopotamie et pour les cités sumériennes. Mais on suppose que bon, ça peut plus ou moins correspondre. Hein. Donc, on n'a pas vraiment de preuves réelles, quoi. Sinon, bon, on n'a pas fouillé partout. Hein, mais après, vous allez peut-être avoir quelque chose qui pourrait être des preuves pour d'autres déluges. Hein. D'accord. Mais bon. Alors, bon, cette histoire du mont Ararat, il fallait trouver. Alors, dans cette histoire du déluge biblique, là, c'est pas, ça submerge pas la Grèce et puis le mont Parnasse, hein. Parce que il faut savoir que ce mont Ararat a 5 200 mètres d'altitude. Donc, quand on dit dans le texte que les eaux sont passées par-dessus les plus hautes montagnes, l'arche flottait donc par-dessus le sommet des montagnes. C'est quand les eaux ont baissé qu'ils sont encastrés dessus. Bon, alors. C'est déjà un gros problème. Et ensuite, personne n'a jamais été dans cet endroit. N'est jamais allé dans cet endroit, pardon. Il n'a pas fait d'escalade, il ne faisait pas d'alpinisme, il n'y avait pas commencé le mont Ararat. Personne n'y allait jamais. Je crois qu'il a fallu attendre le milieu du 19e siècle pour qu'on fasse l'ascension du mont Ararat. Bon. Et il y a un des explorateurs qui a dit, j'ai retrouvé une poutre à 4 500 mètres d'altitude parce qu'il n'a pas pu aller plus loin, il n'en pouvait plus. J'ai retrouvé une poutre et ça peut pas être une branche d'arbre parce que c'est taillé à l'écarissage. Donc, en gros, c'est une pièce de construction de Manufacturé, maison. enfin. Bon, voilà, c'est manufacturé. Alors, est-ce que c'est une poutre de navire ou une poutre de maison? On voit pas aucune maison a pu être construite à 4 500 mètres d'altitude et on ne voit pas, bon, qui vivrait là, dans l'Antiquité. Hein. Alors, c'est parce que c'est une montagne symbolique. Hein. Faut toujours prendre. Une très haute montagne, ben ailleurs c'est la Rocheuse, en Chine c'était telle ou telle montagne, donc ça a une importance symbolique hein, d'échouer sur le sommet des montagnes qui échappe bien entendu à la catastrophe. Après il faut redescendre hein, parce que quand vous êtes sur le sommet, alors les histoires auxquelles tu fais allusion, c'est pendant la guerre mondiale, en 1916, il y a un aviateur russe qui passait par là. Parce que la Russie était en guerre avec la Turquie. Donc, on allait faire des reconnaissances aériennes. Il passe au-dessus du mont Ararat et jette un coup d'œil par-dessus le cockpit. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit une esquisse de bateau dans les rochers. Une sorte de squelette d'armature nucléaire. Voilà, la carcasse, hein, comme on a un squelette de navire qui est échoué. Voilà, stupéfaction. Comme c'est le mont Ararat, lui, il fait tout de suite le rapprochement. Et le tsar de l'époque, ben, c'est Nicolas II, envoie une expédition escalader le mont. Ils font un rapport, ils étudient la ruine qu'ils ont vraiment trouvée. Hein, et ils font une codification, un écrit, ils reviennent avec. Et puis, bien sûr, on ne l'a pas, on l'a perdu. C'est obligatoire qu'on l'ait perdu, puisque la révolution de 17 est passée par là. Et le texte n'a jamais été retrouvé. Donc on ne sait pas ce qu'ils ont les relevés qu'ils ont faits Alors, on ne sur sait ce. pas ce qu'ils ont vraiment trouvé, parce que sans doute, ça serait très, très controversé. Quant à un aviateur américain qui en 1949 a pris des photos et retrouvé aussi bon une allure de d'esquif sur la photo, quand une équipe au sol y allait, il n'a jamais retrouvé l'endroit. Bon, alors on reste dans les expectatives les plus extraordinaires. Donc ce fameux déluge qui est assez extraordinaire dans la façon dont tu l'as raconté par rapport au déluge de Deucalion, alors c'est beaucoup, beaucoup plus important, parce que là, ça mélange des choses de morale, châtiment de l'humanité, sauver plutôt une famille, il y a une symbolique des nombres dedans, il y a une symbolique des oiseaux, il y a un déluge qui l'ose universel, puisque les eaux couvrant tous les sommets des montagnes. Bon, avec deux textes qui après ont été plus ou moins bien synthétisé. Et c'était la version quasiment du déluge qui aurait été universel, qui court jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et puis voilà qu'un jour, c'était au 19e siècle, comment des chercheurs, des explorateurs qui vont en Irak, je sais plus si c'est en Irak ou en Syrie, je crois que c'est en Irak, qui font des fouilles et qui retrouvent l'ancienne ville assyrienne de Ninive.
Alors, dans la Bible, on parle de Ninive qui était détruite à une certaine époque. Et qu'est-ce qu'ils trouvent dans ces ruines? Ils trouvent les tablettes en écriture cunéiforme. Comme c'est les Anglais qui occupent les lieux et qui font les fouilles, ils décident d'emmener à Londres toutes les tablettes qu'ils ont trouvées. Sauf que les archéologues à l'époque, qui n'étaient pas très grands spécialistes de ce genre de choses, les ont ramassées en vrac. C'est-à-dire qu'ils les ont mis dans des brouettes et puis après dans des paniers. Puis se sont cassées à presque toutes. Après, elles ont été mises en tote sur un cargo. Puis elles ont été emmenées au British Museum. Donc elles sont arrivées en osselet. Voilà, quasiment, presque toutes. On en a même les blessés pas mal sur place. Et puis personne ne s'est occupé de ça. Mais bon, les spécialistes en parlaient un petit peu. Il y avait un type qui était, graveur des billets de banque. Donc lui, il faisait très très attention aux détails, aux dessins, etc. Et quand il a vu, parce que de temps en temps, c'était exposé au musée de cunéiforme, lui, il a compris que c'était une écriture. Parce que les archéologues pensaient que c'était de la décoration pour faire les murs décorés sur les palais. D'accord. Alors qu'en fait, on s'est aperçu après que c'était les archives nationales d'Assyrie. C'est-à-dire, dans ces tablettes, il y en a 25 000. Dans ces tablettes, il y a les comptes publics, il y a la vie des rois, il y a des traités de mariage, des traités commerciaux, il y a l'histoire du pays. Et puis, à un moment, on est tombé sur cette tablette particulière qui sont le récit de la création. Et on s'est aperçu que c'était quasiment le même que la Genèse. C'est absolument épouvantable. Il y avait une deuxième histoire de la Genèse et dedans, une histoire du déluge. Bon, alors là, tout le monde déchiffrait le cunéiforme, il a déjà fallu pas mal de temps. Et puis, on s'est aperçu donc qu'il y avait un déluge assyro-babylonien. Alors, ça rentre dans le cadre d'une histoire qui s'appelle « Épopée de Gilgamesh ». Gilgamesh, le grand héros qui vit une épopée à l'époque, hein, qui va un petit peu partout, descend même aux enfers, à droite, à gauche. Son histoire, c'est la quête de la plante d'immortalité. On lui a dit qu'il y avait une plante qui rendait immortelle, il fallait à tout prix qu'il la cherche. Donc, du coup, il fait des voyages comme Ulysse, il rencontre plein de personnages. Et un des personnages, c'est un gars qui lui raconte l'histoire du déluge. Il fut un temps, ceci était l'époque, et bien, la terre était submergée. Et Utnapishtim, alors Utnapishtim, c'est le Noé assyrien, babylonien. Donc, le Utnapishtim, on lui a dit de construire une arche qui flottait sur les eaux, qui était amérie au mont machin, qui était riche. Comme on dit, on s'en casse sur une montagne. Là, on s'est aperçu que c'était quasiment le même récit que l'histoire biblique. Alors, qui a copié sur l'autre? Bon. Alors, dans l'écriture cunéiforme, quand elle a été déchiffrée, décryptée, on s'est aperçu qu'il y a des textes qui faisaient allusion à une plus ancienne civilisation qui est Sumer. Donc, Sumer est bien antérieure aux Assyriens, aux Babyloniens. C'est la région de Ur, c'est entre les deux fleuves, tout en fait en bas, la Mésopotamie. Du coup, on est allé chercher par là, enfin, les archéologues, ils ont retrouvé plein de cités. Kish, Lagash, Ur, fameux Ur en Chaldée, d'où est sorti Abraham aussi. Et dans les fameuses tablettes sumériennes, on a retrouvé l'histoire du déluge. Et là, le Noé local s'appelle Xisudra. Xisudra, c'est Utnapishtim, c'est Noé. Bah, c'est le même héros du déluge qui doit construire une arche flottée sur les eaux. Alors là, c'est pas du grand truc en bois de 150 mètres de long, hein. C'est des joncs, des radeaux de papyrus, etc. Donc là, on pense que c'est un déluge qui a concerné que la vallée du Tigre et de l'Euphrate. C'est pas aventuré sur l'Atlantique ou sur l'océan Indien avec ce bateau-là. Donc, on a trois déluges. En gros, on a un déluge sumérien, un déluge assyro-babylonien et un déluge biblique. Bon, comme Sumer est la civilisation première, c'est bien antérieur aux Hébreux, à Abraham et tout ça, puisque Abraham lui-même vient d'Ur en Chaldée et autres, on pense que Sumer a la première version du déluge. Et que les autres ont découlé de cette version. Recopié par les Assyriens, recopié par les Hébreux, qui eux l'ont amplifié, élargi, transformé, mis à leur sauce théologique, bien entendu, avec la deuxième version des grands prêtres d'Israël. Et donc, il se serait passé quelque chose quand même au Moyen-Orient, tous les peuples locaux, même en Égypte, en souvenir de la catastrophe, mais c'est arrangé
selon les peuples. Alors avant, il y avait qu'un déluge biblique, puis qu'on a retrouvé cette tablette, ben forcément, hein, ça change un peu tout. Mais quand on lit les tablettes, on a une stupéfaction inouïe. C'est-à-dire que dans la cause, c'est plus tout à fait la même. Parce que quand vous êtes à Sumer, vous n'êtes pas dans une religion monothéiste. Donc, il n'y a pas Dieu qui décide comme nous. Nous, c'est Dieu, l'Éternel. Ben, il est fâché contre les humains qu'il a créés. Et puis, il n'y a pas d'autre responsable. Responsable, c'est nous, parce qu'on est très mauvais. Mais c'est lui qui prend la décision d'extermination. Tandis que là, quand vous êtes à Sumer, vous êtes dans l'histoire des Anunnaki. On arrive sur un dossier. Et alors là, quand vous êtes là, alors là, on a presque la même version au niveau de la submersion, mais pas la même version au niveau des causes. C'est que le fameux dieu Enlil, le dieu terrible, etc., fils d'Anu, le grand dieu suprême, etc., lui décide de supprimer l'humanité. Alors, parce que dans ce fameux mythe des Anunnaki qu'on ne va pas refaire aujourd'hui, parce que sur Nuria, chaîne éminente, bien sûr, pour ce genre de sujet, comment dire, la vidéo sur les Anunnaki existe déjà. Les Anunnaki, donc en gros, pour résumer, pour nos spectateurs, sont des extraterrestres. Ils sont venus en mission sur Terre. À un moment, ils ont fait travailler une partie des dieux pour faire des exploitations minières, pour avoir des champs de ravitaillement, etc. Mais ça n'a pas suffi, ils n'étaient pas assez. Et puis, sans doute que ces dieux devaient râler, ont décidé donc de créer une créature, un être humain. Bon. Et nous voilà. Et nous voilà, ils ont pris donc une peuplade qui existait déjà donc au niveau d'êtres humanoïdes préhistoriques. Ils ont modifié les gènes, c'est la fameuse histoire de l'Éden où ces Anunnaki donc font de l'homme un OGM, un organisme génétiquement modifié. Ils font le fameux Homo sapiens à partir d'une créature antérieure primitive. Donc c'est là qu'il y a un fameux seuil humanoïde Homo sapiens. Qui sont très différents, mais cet Homo sapiens, tout Homo sapiens qui est esclave de ces Anunnaki, travaille dur comme fer à construire les villes, les routes, les feux, et tout ce qui s'ensuit, les champs, le ravitaillement, etc. Alors, il y a peut-être des révoltes, puisque dans certains textes, on parle que ces hommes se sont révoltés, etc. Et à un moment, quand la mission est terminée, ce fameux dieu Enlil dit « on plie bagage, on s'en va ». Toujours, je rappelle que ce sont des visiteurs de l'espace et ils décident de faire sauter toutes leurs installations, tous les campements qu'ils avaient faits, le fameux Éden où était le laboratoire des transformations d'ADN et tout ce qui s'ensuit, et ils liquident l'homme avant de partir. Donc en gros, ils suppriment leur créature, donc ils n'ont plus besoin, puis qu'ils sont sans doute devenus encombrantes, malfaisantes, trop multipliées. Et puis, c'est Enlil a un frère qui est Enki, et Enki et la déesse Ninursak, eux, trouvent que c'était bien l'humain, c'était bien d'avoir fait ces créatures. Bon, ils sont pas très vaillants, mais bon, pourquoi les exterminer avant de s'en aller? C'est un bon bout, ils veulent les sauver. Donc, il va y avoir une guerre des dieux. En gros, qui va exterminer l'homme, qui va les sauver? Alors, pareil, le résultat, c'est le même. Eh bien, une grande partie d'exterminer, une grande partie qui est sauvée, etc., etc. Hein? Donc là, on est dans une histoire totalement différente quant aux causes. Alors, bien sûr, la Bible qui voulait le monothéisme n'a pas pu reproduire cette histoire-là. Parce que l'histoire des Anunnaki ne passe pas, parce que pour la Bible, c'est les fameux anges rebelles. Alors, ça correspond aux Elohim. Hein, et dans la Bible, les Elohim, c'est les Anunnaki pour Sumer. Donc, on est vraiment dans une situation absolument inouïe. Alors, pour en revenir à ces chercheurs qui ont retrouvé les cités dites sumériennes, 19e, 20e siècle, etc., ben là, on a des surprises. Parce qu'en endroit, il y a des installations humaines. Si on prend la ville de Kish, par exemple, on trouve des installations humaines, il y a des poteries, il y a des tablettes, il y a des tombes, etc. Et puis, à un moment, il y a 3 mètres d'épaisseur d'alluvion. Et dans les 3 mètres d'épaisseur d'alluvion, il n'y a rien. C'est-à-dire, il n'y a pas de débris d'objets humains, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de squelettes, il n'y a rien. Et en dessous, quand vous êtes en dessous de ces 3 mètres d'alluvion, eh bien, vous retrouvez des silex, vous retrouvez des objets de période très très antérieure, en gros quelque chose de néolithique, 3 mètres d'alluvion et période sumérienne. Et comme dans beaucoup d'autres villes, à Our, etc., d'autres, vous avez la même chose, on pense que là, il y a une inondation colossale puisqu'il y a 3 mètres d'alluvion. Alors, ce qui se serait passé, c'est que là, le déluge est purement local, ça concerne que la vallée du Tigre et de l'Euphrate,
Et il y aurait eu soit des inondations de fleuves absolument gigantesques, des barrages qui avaient fait pour les canalisations qui auraient sauté, des lacs artificiels pour l'irrigation qui auraient sauté, mais aussi un tsunami venant du golfe Persique. C'est-à-dire qu'il y aurait actuellement un tiers du terrain qui est sous le golfe Persique. C'est-à-dire, le tsunami sera monté à l'intérieur des terres, et donc il y aurait des villes en dessous la mer. Enfin, ce qu'on appelle le golfe Persique, hein, dans ce coin-là. Alors là, le déluge est réel, prouvé par les couches de terrain, mais localisé à ce qu'on appelle la Mésopotamie et surtout la partie sud. Alors la partie sud très très basse, bien sûr en altitude noyée, parce que tous les eaux qui descendent arrivent là, plus le tsunami, et tout le monde se retrouve dans les montagnes. Au nord, on se retrouve presque au niveau du nord de l'Iran, Anatolie. Alors là, il y a une logique. Et là, il y a une preuve, mais il n'y a pas de preuve universelle parce qu'il faudrait retrouver la même chose avec les mêmes dates pour toute la Terre. Bon, là, on a pas vraiment. Mais peut-être qu'à partir de cette histoire de Mésopotamie, on a transposé après à Babylone, après à Jérusalem, après en Grèce. Oui, et ce qui est devenu un déluge universel n'était peut-être qu'un déluge confiné à l'espace de la Mésopotamie. Voilà, alors après, eh bien, la querelle, c'est sur les dates. On se dit quand est-ce que ça a pu se passer, ça. Alors, quand on est dans ces trucs babyloniens, sumériens, on est en gros à 2500, 3000 avant Jésus-Christ. Bon, alors pourquoi pas, hein. Sinon, est-ce qu'il y a un vrai déluge universel? Il faudrait que les autres déluges des autres peuples correspondent à la même date. Il faudrait qu'en gros, entre 2500 et 3000 avant Jésus-Christ, toutes les chroniques du monde mettre le déluge. Or, ailleurs, il n'y a pas de date. C'est-à-dire, on a toujours, comme dans les légendes, dans les temps anciens du monde, du temps de nos ancêtres, X et Y, eh bien, vous avez une légende indienne chez les Sioux, on dit que le vieux coyote, c'est le grand sage des Indiens Sioux, eh bien, dit aussi que le grand dieu X a décidé de noyer la terre, etc., etc., et seul le saint machin a trouvé grâce à ses yeux. Et on a à peu près la même histoire. Alors que là, vous êtes en Amérique du Nord. Hein. Alors, est-ce qu'il y aurait des traces en Amérique du Nord pour la même date? Alors, on n'a pas vraiment. Hein. Ça fait partie des légendes. Ceci dit, les événements climatiques étaient, dans les temps anciens, toujours associé à l'action divine. Oui. Donc, oui. C'est pas parce étonnant qu'on retrouve cet aspect de l'histoire. En effet, à l'époque, les gens étaient très, très croyants. Toutes les sociétés étaient religieuses. Et quand il se passait quelque chose, c'était toujours divin. Si c'était la chute d'un astéroïde, c'était que les dieux bombardaient la Terre. Et s'il y avait des fléaux, aussi bien des épidémies que des morts, brutales de rois, c'était les dieux qui avaient supprimer telle chose, enlever telle chose, etc., etc. Alors, bon, les choses restent très, très curieuses. Et donc, on a quand même l'idée, alors ça, c'est extraordinaire, d'un déluge universel qui aurait eu lieu, mais qui là, c'est peut-être le même qui a englouti l'Atlantide, mais là, on est entre 9500 et 11000 avant Jésus-Christ. Alors c'est quand même là quelque chose de plus particulier, de pas tellement prouvable non plus, mais bon, il y aurait cette idée-là. Alors bon, qu'est-ce qui pourrait le prouver? C'est la précession des équinoxes. Alors que vient faire la précession des équinoxes là-dedans? Oui, explique-nous. Dans la précession des équinoxes, comme ça fait des cycles, on rejoint là les théories indiennes, où il y a des déluges aussi, mais c'est des histoires cycliques. Là, c'est pas l'humanité qui est mauvaise et qu'il faut anéantir. C'est que quand une civilisation arrive à fin de cycle, eh bien, elle disparaît parce qu'elle a usé son cycle et il y a toujours des catastrophes pour y mettre fin. Donc là, c'est quelque chose de plus mathématique, si on peut appeler ça comme ça. La grande horloge cosmique, c'est normal. Voilà. Alors là, on est dans une histoire d'horloge cosmique. Alors là, on retrouve le sphinx et Gizeh. C'est-à-dire qu'en fait, le sphinx et Gizeh, alors tout le monde connaît maintenant, hein, l'alignement des trois pyramides sur la ceinture d'Orion, et puis le sphinx, mais qu'est-ce que peut bien faire un sphinx qui est un lion, hein, je vous rappelle. Le corps du sphinx, c'est un lion. Hein.
Et il a une tête d'homme, un peu avec la coiffure typique des pharaons, mais on pense que c'est un pharaon qui a mis sa tête à la place du lion. Donc à la base, il y a une hypothèse qui défend que le sphinx à la base était un lion, oui, dans son intégralité. Déjà, il a le corps. Hein. Et donc, comme la tête ne semble pas avoir une proportion par rapport au corps et à matériaux plus récents, Non seulement on n'aurait pas retaillé la tête, mais on l'aurait remplacée carrément. Oui, oui. Parce que à un moment, elle a pu être cassée. La statue a pu être cassée pour des X, Y raisons. Et à un moment, d'ailleurs, il n'existe plus. Sous certains pharaons, il n'y avait plus de sphinx. C'est un pharaon, je pense que c'est un Toutmosis. Il l'a retrouvé. À un moment, en faisant des constructions, on désensable le sphinx et on le retrouve. C'est dire que même du temps des Égyptiens, il était déjà oublié. Donc, il doit être... Bon, vous savez, les théories qu'il y a, on dit que le plateau de Gizeh, ses pyramides, c'est bien avant le premier pharaon. Ça pas 2700 ans, 5000 ans, 10000 ans. C'était avant le déluge. Bon, en gros, l'idée, c'était de construire des monuments gigantesques qui survivraient au déluge. Les pyramides auraient été construites avant le déluge. Ah, si c'est 3000 ans, on comprend. Si c'est 9000, 10000, etc. Alors, qu'est-ce que ce serait que cette histoire? Là, on rentre dans des spéculations extraordinaires. L'histoire serait déjà que le peuple qui était là à cette époque aurait voulu conserver quelque chose de la mémoire des hommes pour après le déluge. Donc, ça a été construit avant, sur le plateau, et en construction, j'allais dire insubmersible, vu le fait que ce soit pas en bois et ceci. Et alors, pourquoi mettre un sphinx en plus des pyramides? Eh bien, ce serait une horloge cosmique au niveau du sol. Et le sphinx serait une sorte d'aiguille, ça indiquerait un endroit d'une montre, d'une horloge. En gros, on pourrait suivre avec le déplacement du soleil les précessions des équinoxes dessus. Et on s'est dit, mais pourquoi le sphinx représenté par un lion, qui bien sûr, quand on parle de lion, si on parle des constellations, c'est constellation du lion, c'est Régulus, l'étoile principale, et quand vous voyez la constellation du lion, elle forme un lion dans le ciel. Bon, principale étoile, la Régulus, on s'est dit, bah, pourquoi ils ont voulu représenter constellation du lion au niveau du sol? Et si on prend constellation du lion, on est entre 9500 et 10000, 10500 avant Jésus-Christ. C'était pour marquer dans le temps que c'était là qu'il y avait eu le déluge universel. Que les hommes s'en souviennent. Définitivement. Et là, bien sûr, il faut retrouver le système. C'est-à-dire, il faut avoir compris que c'était ça pour comprendre qu'on faisait allusion à ce déluge universel qui aurait eu lieu dans la constellation du Lion. Si je résume ce que tu as dit, les pyramides du plateau de Gizeh auraient été postérieures, là, avant le déluge, et quand le déluge a eu lieu, les anciens auraient ajouté le lion, le sphinx. Le sphinx aurait été avant, a été mis avant, pour dire que la catastrophe était au moment de la constellation du lion, c'est-à-dire que les prêtres devaient savoir que... Ils ont anticipé la catastrophe, construit le sphinx. Et commémoré. Alors même si c'était après, même si la construction était après, construite vraiment dans les dates que les historiens disent, c'était pour rappeler quelque chose. Il y a une précession des équinoxes, il y a une destruction par cycle, et puis voilà, et alors l'aiguille, si c'est midi ou midi un quart, je ne sais pas quoi, mais dans une horloge cosmique à 12 signes, comme les 12 heures, etc., là c'est des signes de constellation, des signes, qui s'est passé une catastrophe dans la constellation du Lion, ce qui mettrait entre 9500 et 10500, 11000, etc., 11000, 12000, enfin, ces eaux-là. Ah, si on prend 2160 ans par le mois équinoxial, voilà, pour indiquer cette chose. Et alors, comme juste en face, quand vous êtes dans l'axe Lion, qu'est-ce que vous avez en face? Vous avez le Verseau. Parce que les deux signes, Lion et Verseau, sont face à face. Et que dans cette théorie-là, comme vous faites une moitié de cycle, comme dans un zodiaque à 12, hein, et 6 et 6 moitié, le déluge universel suivant serait dans la constellation opposée, donc en Verseau, donc on y est. Ouh, c'est rassurant tout ça. Puisque on nous dit toujours, on va rentrer dans l'ère du Verseau, c'est fantastique. Avant, vous avez les catastrophes, et donc ça serait l'indication de ça.
D'autant que Verseau, rien que le nom de ce signe astrologique et de cette constellation, Oui. parle de lui-même. Ouais. Une question me vient. Tout à l'heure, tu disais pour ces déluges, on peut l'expliquer par la fonte des glaces, par le mouvement des plaques qui créent des tsunamis. On connaît l'influence des astres sur l'eau, ne serait-ce que l'influence de notre satellite, la Lune, sur les marées. Oui, bien On sûr. peut imaginer que ce grand déluge ait été. L'origine de ce grand déluge soit cosmique, c'est-à-dire Ah oui, c'est une influence des astres vrai. sur l'eau qui recouvre toute notre planète. Oui, bien sûr. Et donc, on a cette idée-là. Alors, c'est recoupé par d'autres choses, hein. Je crois qu'il y a un chercheur qui a trouvé qu'il y avait justement comment dire, un cratère d'impact de météorites qui est au large du Canada, justement, et qui est daté de 11 000 ans. Donc, on se dit, tiens, s'il y avait un astéroïde qui avait percuté la Terre, mais alors très gros, hein. De quoi faire. Ils ont détruit toute la planète par un déluge. Ce serait le même qui aurait englouti l'Atlantique pour mai 9 500, 10 000 ans avant Jésus-Christ. On peut en rajouter, hein, le temple de Dendera, il y aurait exactement la même chose. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le temple de Dendera, le fameux temple Oui, de Dendera, avec son zodiaque. avec son gigantesque zodiaque qui était au plafond. Hein, dans le temple. Hein. Alors, c'est un temple très curieux, hein, c'est le temple de la déesse Hathor en Égypte, qu'on appelle, c'est en Haute Égypte, hein, c'est près d'Abydos, c'est déjà le lieu de Osiris, c'est extraordinaire. Et alors, ce fameux temple de Dendera a été, il est tombé en ruine à certains moments, il a été démoli, il a été refait. Alors, les experts qui ont étudié les lieux disent qu'il a été refait 6 fois, donc c'est extraordinaire. Alors, le dernier construit, le dernier temple construit, c'est sous les Ptolémées. Les Ptolémées, c'est une dynastie grecque qui occupait l'Égypte dans les siècles avant Jésus-Christ. Donc le temple date du 3e siècle. Et c'est là qu'on a retrouvé ce fameux zodiaque. Alors, sauf que ce zodiaque a une histoire très curieuse. C'est-à-dire que dans les 6 reconstructions, ils ont reconstruit le même zodiaque. C'est-à-dire, en gros, on a refait le temple, mais pas le zodiaque qu'on a conservé ou refait, mais à l'identique, le zodiaque d'origine. C'est là qu'il y a un mystère. Pourquoi donc? Eh bien, parce qu'on s'aperçoit que le zodiaque tel qu'il est fait, qu'il aurait été reconstruit là au 3e siècle avant Jésus-Christ, c'est le même que l'état des cieux qui existait au moment du déluge. Et donc, c'est une carte de ciel de justement 9 500 ans. Alors, si vous faites tourner les ordinateurs de la NASA et que vous essayez de voir un peu quel est l'état du ciel pour cette époque-là, la disposition des constellations, c'est ce qui est sur le zodiaque en question. Et quand vous datez, pour dire, ben alors, c'était quelle date? Eh bien, on vous sort la date de 9792. Donc, la date pour une troisième preuve, entre guillemets, hein, correspondrait, eh bien, à ce que dit le plateau de Gizeh et à ce que disent certains impacts de météorites et peut-être la légende de l'Atlantide, parce qu'on n'oublie pas que l'Atlantide, sa destruction a eu lieu 2500 avant Jésus-Christ, mais bien, 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 bien plus ancien. Donc là, on aurait une correspondance des dates, hein, mais sans preuve historique. Alors voilà, quand vous avez un zodiaque comme ça, vous reconnaissez le taureau, vous reconnaissez les poissons, vous reconnaissez pas le lion ici. Mais ce serait pas le zodiaque actuel. Ce serait donc ce zodiaque très, 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 très ancien. Et curieusement, ce qui montre bien qu'il y avait une volonté extraordinaire derrière, c'est de refaire à l'identique que le premier. C'est-à-dire celui du premier temple de milliers d'années avant. Hein, donc ça, c'est une histoire extraordinaire. Alors, Alors voilà. y a un deuxième, excuse-moi de te couper, mais il y a un deuxième point assez extraordinaire. J'en Ouais. reparle souvent quand on aborde Dendera. Je fais référence à une émission qu'on a faite avec Howard Crowhurst sur la Ouais. Troménie de l'Ocronan. C'est une procession Oui, je sais qui ce que se passe c'est. en Oui, Bretagne et allez. qui est calquée exactement, mais quand je dis exactement, c'est le parcours de cette procession d'origine celtique. Là, c'est une procession chrétienne, mais qui a des origines beaucoup plus anciennes, celtiques, voire peuple Ouais. mégalithique. Ouais. Le parcours de la procession est calqué à l'identique sur le zodiaque de Dendera. Bah voilà. Donc, on veut là aussi commémorer quelque chose, donc un événement et une date. Hein, parce que la commémoration en soi, c'est de dire, ben, on commémore telle chose,
satel symbolique. Et puis, là, en l'occurrence, pour l'exemple cité, correspondrait à quelque chose à ne absolument pas oublier, parce qu'il pourrait arriver la même chose. En gros, c'est pour dire, souvenez-vous des choses anciennes, comme on dit, souvenez-vous des celtes, parce qu'il y a des alignements à Karnak. C'est de dire que ça a un sens, que ça reste en souvenir. Hein, donc, il y aurait ça. Alors là, alors c'est comme toujours, quand on parle d'ésotérisme, on n'a jamais de preuves matérielles, mais on a des preuves. Je dirais par déduction et par trop nombreuses coïncidences. Ouais, et en recoupant tout ça. En recoupant, il y a trop de recoupements, il y a trop de choses qui sont beaucoup trop bien faites pour que ce soit du hasard, et sans doute qu'il y a un message derrière. Quoi. Donc on peut continuer comme ça, avoir tout plein de choses intéressantes. Bon, par exemple, dans ce fameux histoire de déluge biblique, le nombre de symboles est invraisemblable. Hein. Vous avez toujours une symbolique des nombres, une symbolique des animaux. Il y a toujours le même scénario, hein. Les hommes qui sont coupables, un châtiment divin, une famille qui est sauvée, des rescapés, l'humanité qui recommence. Donc, on a toujours cycle de mort et de résurrection. Il y en a toujours. Alors, il y a toujours un noyau d'origine. Parce que comme c'est une famille qui reproduit, mais qui est originaire d'avant la catastrophe, elle est bien d'origine. Tous les autres humains sont liquidés, mais elle a un peu, disons, l'influx d'origine, et cette famille qui a survécu au déluge en produit une nouvelle humanité. Et puis c'est reparti pour un cycle, comme diraient les hindous. Alors eux aussi, ils ont des cycles, leur déluge, ça s'appelle le pralaya. Le pralaya, c'est la fin d'un gigantesque cycle de millions d'années où tout se résorbe dans une catastrophe planétaire. Et donc, et d'ailleurs, pralaya veut dire dissolution au final. Donc, on dit, c'est en gros la dissolution totale de tout. Donc, on a un déluge là au sens symbolique, planétaire, la fin de cycle, là, ce qui correspond à la fin, le Kali Yuga, comme on dit dans notre jargon actuel, etc., etc. Donc, on voit bien qu'on additionne hein, toutes ces traditions. Hein, même dans le Coran, on parle du déluge. Là, dans le Coran, c'est bien gardé de donner une date. D'accord, mais il est abordé aussi dans le Coran. Il est abordé, mais pas sous forme d'une histoire de déluge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une sourate déluge. Il y a une sourate Noé, une sourate ceci, une sourate cela. Et dedans, il y a du temps du déluge ceci, du temps de Noé cela. D'accord. Et quand on peut recouper, on a à peu près la même histoire que dans la Bible, en beaucoup moins détaillé. Mais là, on ne peut pas dater. C'est du temps de Noé, quoi. En gros, quoi. Alors, bien sûr, on ne va pas faire ça trop en détail parce que. Mais ce serait intéressant d'étudier, hein, de voir pourquoi il y a 8 personnes dans l'arche. Du coup, comme il y a 8 personnes survivantes, 8 devient le nombre de la résurrection. Donc, tout ce qui est octogonal, nombre 8, le signe de l'infini, le 8, etc., c'est la résurrection. Quand vous prenez Jésus-Christ qui en latin c'est Jésus, eh bien Jésus, quand vous remplacez les lettres par des chiffres, vous avez 888. Donc, c'est la résurrection sur le plan physique, le psychique, spirituel, etc., etc. Bon, on va dire, il y a le temps de l'épreuve, on en a parlé tout à l'heure, 40. Noé a envoyé les oiseaux, voir si les eaux avaient descendu tous les 7 jours, etc., etc. Bon, c'est quand même assez extraordinaire, parce que là, on sent qu'il y a eu une volonté derrière de prendre l'histoire de déluge pour faire quelque chose de bien cadré. C'est ça, il y a tout un code à interpréter pour voir le message qui est laissé derrière. Ouais, pourquoi un corbeau qui est noir, pourquoi une colombe, pourquoi l'olivier. D'ailleurs, l'olivier est invraisemblable parce qu'une colombe qui ramène un rameau d'olivier, ça veut dire que les oliviers ont déjà repoussé et qu'il y a déjà des feuilles. Mais bon, Noé n'est pas encore sorti de l'arche, bon, etc., etc., etc. En gros, tous ces récits-là, notamment celui du récit biblique, une approche, une lecture hermétiste de ces textes-là nous donne une toute autre version de ces histoires. Enfin Oui, si c'est interprété, le déluge à Bondo, on veut bien raconter une histoire de déluge, mais ça raconterait plein de choses.
Ce qui n'empêche pas le déluge d'avoir eu lieu, hein, mais bon, pourquoi un corbeau? Pourquoi des colombes? Alors, colombe est symbole de la paix, le corbeau porte malheur dans la civilisation hébraïque. Par contre, chez les Babyloniens, c'est l'inverse, on envoie les colombes d'abord qui reviennent pas, puis c'est le corbeau qui envoie en dernier. D'accord, Bon, quand vous êtes dans le fameux conte du vieux coyote chez les Sioux, là, c'est des canards. C'est-à-dire, c'est les canards qui volent à la recherche des eaux qu'auraient descendues, etc., etc. Ah, c'est toujours des oiseaux. Hein. Parce que les oiseaux pouvant seuls sortir de l'arche et voler au-dessus des eaux, comme l'Esprit de Dieu qui planait au-dessus des eaux quand la terre on était n'allait pas chaos, envoyer un il y chat avait pour. voilà, un buffle et autres. Il y a des choses dans le détail. Moi, je conseille aux personnes qui écoutent ce soir de relire le texte dans la Bible très en détail. Et comme il y a deux versions, il y a des choses très curieuses. Dans une version, c'est Dieu qui referme la porte de l'arche de l'extérieur. Donc, quand tous les animaux et la famille rentrent dans l'arche, la porte est verrouillée de l'extérieur par l'Éternel. Alors, pour ressortir, je ne sais pas comment ils ont fait, s'ils ont dû fracturer les choses pour ressortir, on dit que Noé enleva la toiture, ressorti par la toiture. Je ne dis pas, etc. Et dans l'autre version, bah, c'est fermé de l'intérieur, on recolmate avec du bitume les planches pour pouvoir flotter. Alors, vous avez ces trucs, c'est absolument dément. Et quand vous arrivez à la fin, vous avez plus de questions que vous avez de réponses. Comme bien souvent avec ces récits-là, mais on aura bien compris qu'il y a plusieurs degrés de lecture de ces Ah ouais, récits-là visiblement, au-delà du premier degré. surtout dans les déluges babyloniens et biblique. Après, bon, on pense que l'histoire des Indiens d'Amérique ou d'Amazonie ou chez les Incas aussi, un déluge, etc. Bon, c'est plus une histoire de déluge. Là, au Moyen-Orient, ils ont voulu indiquer autre chose. Alors, maintenant, on va poser une question essentielle. Et alors, dans le futur? Dans le futur, est-ce qu'on est à l'abri d'une chute de météorites? Est-ce qu'on est à l'abri d'un changement climatique très important? Est-ce qu'on est à l'abri des tsunamis? Ben, il y en a déjà eu pas mal. Hein. Bon, le réchauffement climatique, tout le monde le connaît. Hein. Il y en a qui disent qu'il n'y en a pas. Bon, quand même, hein, les glaces fondent, on a vu tout à l'heure, je crois, une image des glaces, on nous dit toujours qu'ils ne fondent pas tant que ça, mais quand même. Oui, il y a indéniablement une fonte de la calotte glaciaire. Bon, là, c'est une image qui ne prouve pas forcément la chose, mais il y avait Non. cette carte-là Oui. qui était déjà Voilà, plus parlante. c'est l'étendue de la banquise, hein, au Donc là, nord, c'est ce qui reste. Hein. c'est au nord, exactement. Donc en moins Voilà. de 20 ans, on voit que plus de la moitié a Ah, fondu comme neige au soleil. oui, voilà. Et donc, on a, bon, maintenant, disons, l'océan glacial arctique est dépourvu de banquise pendant une partie de l'année. Et ça augmente tout le temps, c'est-à-dire à partir du moment où il y a une possibilité de circulation en navire, c'est beaucoup plus tôt dans l'année. Alors là, les cartes parlent d'elles-mêmes, la réduction de la banquise, et ce qu'on voit pas sur la carte, c'est le temps en épaisseur aussi. Hein. Au lieu de faire 4-5 mètres d'épaisseur, ça en fait plus de 3,5. Bien sûr. Bon, et on voit bien toutes ces images d'ours qui sont en équilibre sur un carré de glace, qui a quand même quelque chose qui est pas sérieux dans ceux qui disent qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Alors, est-ce que ça peut aboutir jusqu'à la fonte totale du Groenland et de l'Antarctique? Et que si ça se passait en kilomètres cubes de glace, forcément les eaux remontent de 100 mètres au niveau de l'océan mondial. Alors là, bon, ah, il y a déjà des îles au large de l'Inde et en Océanie où on est à fleur d'eau. Les îles qui ont 1, 2, 3, 4, 5 mètres d'altitude, visiblement, voire à monter des eaux, on commence à les quitter, à prendre le bateau pour aller dans une île où les altitudes sont plus élevées. Donc, il se passe bien quelque chose. Hein. Et nos amis hollandais seront les premiers à témoigner en Europe, Ouais, de cette montée des eaux. alors bon, la donnée fondamentale, ce qui fait le plus à la fois peur et à la fois le plus de scénarios de science-fiction, bien, c'est l'astéroïde, quoi. Est-ce qu'un astéroïde peut toucher la Terre? Alors il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est que les astronomes ont braqué les télescopes sur certains endroits du ciel pour voir arriver quelque chose. Mais quoi? On ne sait pas trop.
Alors, les légendes apocalyptiques sur ce sujet parlent du fameux Apophis, j'en parle dans mon livre à 666, hein. Ces fameux télescopes, parce que c'est pas des uluberlus de l'occultisme qui ont trouvé ça, c'est que, d'ailleurs, c'est les savants qui ont donné le nom à cet astéroïde qui arrive vers la Terre. Alors, il est très loin, hein, des millions et des millions de kilomètres, mais la trajectoire ferait qu'il viendrait quand même dans le système solaire, et ils ont même calculé quand est-ce qu'il passerait par ici. Donc, c'est entre 2029 et 2036. En 2029, il arrive, et puis il tourne, parce que ça fait une ellipse, hein. Oui. Il satellise, hein, autour de la Terre, du Soleil, puis il repasse de l'autre côté. Donc, une fois 2029, deux fois dans le temps, on a 7 ans pour réagir, si on n'a pas été touché la première fois. J'ai envie de dire une chance au grattage, une chance au tirage. 36, alors on dit toujours, oui, mais vous savez, quand les astéroïdes, parce qu'il y en a toujours qui passent, les météorites, il y en a plein qui passent, elles peuvent tomber sur Jupiter, ça a déjà eu lieu, hein, en 1994, une comète s'écrasait sur Jupiter, peut tomber sur la Lune, c'est beaucoup moins grave, et puis elle peut passer entre la Terre et la Lune. Alors attention, hein, quand un astéroïde de cette taille-là, des dizaines ou des centaines de mètres de diamètre passent même à 10 000 km de la Terre, les champs magnétiques font que tout est bouleversé, quoi. Hein. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que, alors là, c'est de la science, c'est qu'à la NASA, ils ont décidé que si ça se rapprochait et que c'était vraiment très dangereux, de faire sauter l'astéroïde en question. Là, on est dans le film Armageddon. Alors, quasiment, c'est de la science-fiction, mais c'est vrai, puisqu'il y a eu un budget de voter pour faire les études de destruction de l'astéroïde, et à partir de satellites lancés dans l'espace, avec des missiles, de soit le dévier de sa course, soit de le détruire. Alors, il y en a qui rigolent en disant bah, « vous ne ferez pas sauter, il est beaucoup trop gros, vous allez tirer à côté, et s'il était détruit, les morceaux, si vous imaginez que ça soit cassé en 15 morceaux, il y en a 5 qui tombent sur Terre quand même, si le truc est colossal, bon, ça fera du dégât. » Mais il y a eu une décision à la NASA, avec un budget de 300 millions, pour mettre les choses à l'étude. Donc, il y en a quand même qui craignent quelque chose, quelque part. Etc. Mais il y en a un qui est passé tout près de la Terre en 2002. Oui, mais j'ai envie de dire tous les ans, peut-être pas tous les ans, mais ouais, assez régulièrement, alors, dans les médias spécialisés, on nous informe. Alors, il est passé à 120 000 km de la Terre, mais enfin, bon, comme quoi il y en a bien qui se baladent, ce qu'on appelle des géocroiseurs, il y en a. Alors bon, on ne sait jamais ce qui peut se passer. En tout cas, ça inquiète plus la communauté scientifique que les occultistes, ou les initiés, ou tous les spécialistes de ce genre de choses, qui se barrent toujours sur les astéroïdes de l'ancien temps. Mais là, on aurait d'époque récente. Hein, et c'est d'ailleurs les savants qui ont vu cette astéroïde arrivé pour 2029, qui l'ont appelé Apophis. Alors, c'est très curieux que des savants aient pensé à un nom comme ça, parce que c'est une divinité égyptienne qui signifie le destructeur des mondes. Donc bon. Il ne faudrait pas que ce soit un titre. Le fameux Apophis voulant dévorer le soleil, etc. C'est-à-dire dans la mythologie égyptienne. Ah, c'est une grande curiosité, hein. Un mystère et peut-être quelque chose de très, très dangereux. Et comme on est aussi dans la précession des équinoxes à la fin de l'ère des poissons et au renouvellement futur du monde, on a tout qui coïncide un petit peu pour une période, disons 21e siècle, pour quelque chose d'assez important. Même Nostradamus en parle. Alors, pas d'Apophis des choses actuelles, mais que quand il y aurait l'événement majeur dans les prophéties d'une grande catastrophe, c'est un astéroïde. Alors, sauf que les prophéties, comme vous savez, sont celles de Nostradamus, hein, c'est très difficile à interpréter. Les fourchettes vont de 1999, le grand effrayeur, etc. Ce serait un astéroïde. Bon, là, on n'a pas vu. On a vu la fameuse terrible éclipse de 99. Mais dans Descartes, il dit bien que la Terre sera détruite par un astéroïde. Mais les dates, ça va de 1000... soit au 99, mais c'est passé. Donc après, ce serait 2197 à 2222.
Et après, ça met au troisième millénaire. Alors, on va se dire, ça, c'est pas la peine d'étudier la question. Et Nostradamus, on voit pas pourquoi il aurait prolongé les prophéties jusque-là. C'est la période actuelle qui. Bon, pour lui, hein, 1555, en gros, c'est bien les siècles suivants et le millénaire suivant qui a un intérêt. Alors, les optimistes vont dire, ben, on a encore 2 siècles tranquilles, mais est-ce que cette date-là est vraie et que c'est pas beaucoup plus proche? C'est peut-être beaucoup, beaucoup plus proche. Ouais. Et puis, on n'est pas à l'abri d'autres cataclysmes qui ne sonnent pas forcément le glas de l'humanité, Oui, mais bon, qui l'impactent fortement d'ici là. après, il y a l'évolution, il y a les épidémies, il y a la catastrophe politique, la Troisième Guerre mondiale, tous les fléaux. Je crois qu'à la fin des temps, puisqu'on est dans une fin des temps très très spéciale, on est une sorte de fin des temps surmultipliée, on aurait quasiment tout d'un coup. C'est-à-dire qu'on aurait des catastrophes politico-économiques, on aurait des astéroïdes, on aurait le réchauffement climatique, on aurait voilà, des tas de choses comme on voit actuellement. D'accord. Parmi les scénarios ultra ultra catastrophiques, on a quelque chose, c'est de la science-fiction aussi, mais ça existe. C'est deux galaxies qui se rentrent dedans. Alors il Ok. paraît toujours d'après nos savants que la galaxie d'Andromède se rapprocherait de la nôtre. Alors normalement, les galaxies après le Big Bang, elles sont explosées, elles se dispersent dans l'espace, mais comme elles font des mouvements spiralés et tournants, certaines branches peuvent se croiser. Et donc, la galaxie d'Andromède se dirigerait vers la Voie lactée. Alors, quand il y a ça, les soleils se télescopent. Alors, quand deux étoiles se télescopent, elles se fondent l'une dans l'autre, elles dégagent à la Une surmultipliée énergie. des centaines de milliards d'intensité de rayons gamma, tout est carbonisé, etc. Et on s'est aperçu en faisant des études, alors là aussi, c'est la science, hein, je me couvre, là, vous allez dire, vous mettez rien au nom des chercheurs en ésotérisme et tout, les scientifiques, mais de temps en temps, quand ils vont dans le monde sens, dans notre sens, pourquoi pas, on s'est aperçu de quelque chose de bizarre dans le centre de notre galaxie, on est dans la Voie lactée. On a braqué tous les télescopes, là, pour étudier les étoiles qui tournent autour de notre fameux trou noir, parce qu'on a un trou noir en plein centre de la galaxie. Un trou noir dévore les étoiles, c'est-à-dire un trou noir a une densité très très forte, un magnétisme très très forte, absorbe les étoiles et les engloutit en gros. Et lui, il n'émet pas de lumière, donc il devient encore plus étendu et totalement noir, bien entendu. Comme il devient très fort, il recapte un nouveau soleil. Et on s'est aperçu qu'autour de ce trou noir, eh bien, il y a 30 000 étoiles qui tournaient. Comme les milliards d'étoiles dans la galaxie, mais elles tournent pas dans le même sens que les autres. C'est-à-dire, il y a toutes les étoiles qui se déplacent dans un sens autour du centre et 30 000 qui tournent dans l'autre sens. Alors, ce phénomène étant tellement curieux, on a cherché à savoir ce que c'était. Eh bien, c'est ce que je viens de dire. C'est un groupe d'étoiles qui s'est détaché d'une galaxie qui a erré dans l'espace et qui est rentrée dans la nôtre. Et au passage de l'entrée dans la note a fait exploser quelques soleils, bien sûr pas aujourd'hui. Hein. Parce que ça s'est passé il y a des millions et des milliards d'années. Enfin, on a un groupe d'étoiles totalement étranger à notre galaxie. Un phénomène comme ça peut se reproduire. Il y a peut-être un groupe d'étoiles qui est en train d'arriver. Enfin, c'est en train de Ça va se être un jeu de développer. quilles. Alors là, c'est un milliard cosmique, on appelle ça, quoi. Donc on en est là. Voilà, alors je ne sais pas si on a fait le tour de toutes Alors les moi, il y questions avait possibles. deux autres thèmes où je t'invite à réagir si tu le souhaites. Le premier, c'était les volcans. Tu en as parlé brièvement en début d'émission. Il y en a un quand même qui me semble important à surveiller. Les scientifiques en parlent souvent. On sait qu'il est. Il a deux doigts de se réveiller, c'est celui de Yellowstone. Alors, ce n'est pas celui qu'on voit en photo. Ah oui, non, c'est pas. Et je t'en parle parce que moi, j'ai eu une connaissance à moi qui a des capacités médiumniques, qui reçoit des informations par flash, a eu beaucoup d'informations sur Yellowstone et sur l'activité de ce volcan-là qui est sur le point de faire un gros badaboum. Est-ce que dans les textes ésotériques, cette thématique du volcan revient ou ça fait partie d'une de ces calamités qui n'est pas forcément mise en avant? Alors, c'est pas forcément mis en avant, mais ça fait partie de tous les risques, bien entendu, parce que si la Terre, au moins dans son magma, se met à chauffer, que la tectonique des plaques dont je parlais tout à l'heure s'accélérait, il est bien certain qu'il pourra avoir un réveil des volcans. On dit déjà que l'Etna est rentré plus ou moins en activité, etc., etc. Et alors ce fameux Yellowstone, c'est aux États-Unis.
Donc, bien sûr que ça toucherait les États-Unis, ce serait quelque chose d'assez extraordinaire pour la fin des temps aussi. Mais alors, c'est pas un volcan conique comme nos volcans traditionnels. C'est un volcan, disons, à fleur de sol et souterrain. Hein, c'est-à-dire oui. Que, bon, voilà, il est en sous-sol. Alors, c'est là où il y a les fameux geysers, parce que c'est le dégagement d'eau bouillante par le magma et la croûte terrestre qui est chauffée, qui peut monter à la verticale. Alors, ça s'étend sur... je sais pas combien de kilomètres carrés, hein, cette chose-là. Et alors, il y aurait, en effet, actuellement, une surchauffe. Donc, les experts disent, ben, c'est comme on disait tout à l'heure, hein, ça peut éclater dans l'année, dans 10 ans, dans 100 ans. Mais le risque est très grand et, parce qu'on a toujours supposé que ça pouvait éclater n'importe quelle minute. Hein, depuis qu'on a fait des repérages. Alors maintenant, il y a tout un tas de, comment ça s'appelle, tous les appareils qui mesurent les écarts de sol, les degrés de température, et de dire, bon, est-ce que, en gros, l'activité augmente ou baisse? Alors, on étudie ça, mais alors de très, très près. Hein. Peut-être plus encore que l'astéroïde machin qui doit arriver là. Alors, bon, toujours pareil, hein. Il y a un risque, on s'attend à une catastrophe possible dans les temps qui viennent. On peut rajouter ça à la liste des fléaux pouvant survenir, oui. Mais je n'en connais pas plus que ça, hein, parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai bien étudié, et bon. D'accord, bah, écoute, en tout cas, merci pour ces précisions. Et puis, une dernière calamité, enfin, je ne sais pas si on peut l'associer à une calamité, mais ça aura des répercussions. Il ne me semble pas qu'on en ait parlé ce soir. Où tu en as parlé pour une autre planète du système solaire avec ce fameux pôle inversé. Ah, oui. Oui, c'est vrai. Là, c'est l'inversion des pôles ou alors la modification de l'axe des pôles terrestres. C'est une thématique qui revient souvent. On en a parlé des pyramides. Moi, j'ai toujours en tête le fameux film La Révélation des pyramides avec la révélation qui tourne autour de ce basculement du pôle, le fameux équateur penché. Là aussi, qu'est-ce qui, dans les textes ésotériques, est-ce qu'on en parle de ce magnétisme terrestre et de ce magnétisme des pôles? Alors, ce qu'on dit dans les textes ésotériques, c'est qu'il y a un magnétisme des pôles et que quelquefois, il s'inverse. Alors, on sait qu'il se déplace, le pôle géographique, lui, il se déplace pas, c'est le sommet de la Terre, c'est où est l'arrondi au niveau de l'axe des pôles. Par contre, le pôle magnétique, hein, lui, il peut se déplacer plusieurs centaines de kilomètres. Et il y a des moments où il se déplace pas beaucoup, et des moments où il se déplace beaucoup, et actuellement, il se déplace beaucoup. Et puis, il y a des tests, si on peut appeler ça comme ça, c'est plus qu'une test, parce que ça s'est déjà produit, qu'il s'inverse. Le pôle négatif devient positif ou l'inverse. Ou alors, il y a un basculement pôle sud, pôle nord. Donc, ça s'inverse d'un pôle à l'autre, d'un hémisphère à l'autre. Bon, il y a pire, hein. Il y a que le globe se serait retourné. Bon, c'est-à-dire que, imaginez aujourd'hui que la Terre bascule sur elle-même, peut-être heurtée par un astéroïde, l'Antarctique passe au pôle nord et le Groenland passe au sud. Alors là, forcément, il ne reste rien de nos pays, nos humains, puisque bien sûr tous les continents avec la fameuse ça claquait les uns contre les autres par ce gigantesque basculement, hein. Donc c'est possible, hein, comme on a vu qu'une planète petite, peut-être deux fois de la taille de la Terre, avait fait basculer Uranus, peut très bien faire basculer non pas l'axe des pôles à l'horizontale, ce qui serait déjà très curieux pour la suite des événements climatiques ou autres sur Terre, mais quasiment inversé. Mais il y a des, comment dire, soit des textes, j'allais dire spirituels, bah, des textes non scientifiques, mais des textes scientifiques disent que c'est vrai et que ça a déjà eu lieu. Alors, en fonction de quels critères, là, j'en sais pas plus, mais c'est aussi très étudié, hein. Les pôles magnétiques sont suivis à la trace. On peut dire on les étudie tout le temps aussi. Hein. Enfin, nos experts, hein, voient un peu si ça bouge trop, s'il y a trop de variations, tout ce qui s'en suit. Donc on en est là actuellement. Hein, et dans l'immédiat, bon, il y a plus de tracas de calamités politico-sociales, d'un chaos mondial pour X raisons. Que ce soit le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud, ou tout le reste, que comment dire, la chute d'un astéroïde, mais il est à l'ordre du jour. Bien sûr. Ah, oui.
Donc au final, oui, on a vu que la liste des calamités, des cataclysmes et autres catastrophes susceptibles d'impacter l'humanité est assez large. On va rester sur cette idée d'astéroïdes, scruter le ciel Ben oui. et Alors, en prendre tout nos cas, c'est casques. toujours très, très intéressant à étudier, hein. C'est surtout au niveau des mythologies, parce que visiblement, toutes ces choses-là ont déjà soit eu lieu réellement, et si ça peut eu lieu réellement, on se demande bien pourquoi tous les peuples de la Terre en ont parlé, que ça a fait beaucoup réfléchir quand même dans le passé, hein. Et moi, je dis toujours dans ces choses-là, si ça avait été totalement insignifiant, pourquoi pendant des milliers d'années, on en aurait parlé? On aurait dit c'est de l'histoire ancienne, c'est fini, il n'y a pas du tout à revenir là-dessus. Or là, on sent bien qu'on veut à tout prix maintenir une mémoire. Et on se dit, mais pourquoi on devrait avoir la mémoire de toutes ces choses-là? Parce que dire, ça ne vous fait pas réfléchir, le déluge de Noé, le machin, la comète truc, etc., etc. Donc, je pense que ça a un sens, surtout à notre époque. C'est-à-dire, bien sûr, il y a 3 siècles, 5 siècles, on se préoccupait pas de fin des temps, tandis qu'aujourd'hui, on peut dire, hein, c'est à l'ordre du jour. Exactement. Voilà. On va finir l'émission avec une ou deux questions, si tu veux bien, Michel. Pas de problème. Alors, il y avait une question. J'ai dû repasser sur l'ordinateur parce que je ne sais pas pourquoi, sur la tablette, le chat s'est bloqué. C'est pas bien grave. Une question. Alors, je ne retrouve pas exactement la question. Si, de Brigitte qui demandait, as-tu parlé de Nibiru qui revient? Est-ce que cette fameuse planète Nibiru peut avoir une influence? Oui, on en parle aussi. C'est un sujet très très controversé, hein, parce que là, c'est toujours les fameuses tablettes sibériennes où, d'après Zacharia Sitchin, le grand spécialiste, hein, de ce genre d'histoire, aurait trouvé dans une tablette qu'il aurait traduite, eh bien, une planète tout à fait aux confins du système solaire et même plus loin, qui rentre dans le système solaire, qui le traverse, et qui a une orbite très très allongée, un peu comme une baguette de pain, donc très très longue, elle n'est pas du tout elliptique mais circulaire, très très longue, et un cycle de 3600 ans, donc il faut 3600 ans pour qu'elle revienne à son point de départ, et donc tous les 3600 ans, eh bien, passe dans les parages de la Terre. Et donc, Bon. elle peut-être, elle peut avoir une Alors, influence possible sur l'astrophysique. la précédente, si elle vient aujourd'hui, la précédente fois qu'elle serait venue, bien, c'était 1000 et quelques avant Jésus-Christ, hein, 1600 avant Jésus-Christ. Vous remettez 3600 ans, vous retombez peut-être à un moment de l'Atlantide aussi à un passage. À chaque fois qu'il y aura un passage, il y aurait une catastrophe ou un débarquement de fameuses Anunnaki qui prendraient la planète qui rentre dans notre système solaire pour s'en servir comme base de relais pour venir sur la Terre quand Nibiru passe. Alors là, l'entrée de Nibiru dans notre système solaire, là, ça fait beaucoup, comment dire, jaser dans les milieux ésotériques informés et passionnés par ce genre de sujet, quoi. D'accord. Mais ça fait partie aussi des fameux mythes sumériens et autres, hein. Mais on peut imaginer que si Nibiru existe et est passé il y a 3600 ans du côté à proximité de la Terre, on n'a pas il y a 3600 ans de date de cataclysme qui ont eu un Non, impact considérable sur non, l'humanité. non. Donc, Mais si on nous, de remonte ce côté-là, on... 3600 ans avant, on est en moins 4000 et quelques, après on est en moins 7500, après on est en moins 10 000, alors justement, c'est pas forcément l'indication d'une catastrophe. C'est qu'il y a un astre errant, parmi d'autres, hein, puisque les fameuses planètes, on en a télescopé d'autres, mais alors là, comment un rythme bien plus régulier? C'est pas une planète sauvage qui a pas de trajectoire. Elle a vraiment un sens. On parle aussi de la fameuse neuvième planète, là. Alors, on ne sait pas si c'est la même, hein. Ce serait une planète qui serait au-delà de Pluton, hein, parce que qu'on a découvert Uranus, on l'a découvert par le calcul avant de l'avoir en vrai au télescope. Parce que le spécialiste, c'est celui qui a découvert Neptune, s'appelle Le Verrier, il a fait un calcul sur l'orbite d'Uranus et il a trouvé qu'Uranus était dans, comment dire, avait une circulation un peu trop bizarre pour qu'il n'y ait pas un astre derrière. En fait, il y avait une influence électromagnétique plus loin
qui faisait que la planète ne circulait pas normalement. Donc, il a même conclu où elle devait se trouver. Il a trouvé Neptune. Après, tous les télescopes sont braqués là-dessus, l'ont trouvé. Puis après, on a fait la même chose avec Pluton. Neptune a une circulation pas assez claire pour qu'il n'y ait pas un astre derrière. Donc, on a trouvé Pluton. Puis on peut continuer comme ça. Dit Pluton n'est quand même pas une circulation tout à fait normale. Il doit avoir un astre derrière. Par les calculs, on sait qu'il y a un astre derrière. Donc, que les savants appellent c'est pas Sedna. Ah, ils n'osent pas donner le nom de numéro, si c'est numéro, est-ce que c'est la même qui est au-delà de Pluton, qui a une trajectoire très particulière, on ne sait pas, mais ils ont donné un nom, hein, et eux certifient que cette planète, on l'a pas trouvé, hein, mais cette planète, par le calcul au-delà de Pluton, existe. Mais là, on n'est pas, dans Noé, on n'est pas dans X, Y romans de science-fiction, hein, on n'est pas dans la guerre des étoiles, on est vraiment dans des revues scientifiques. C'est du concret sur la base de calcul. Ouais. Alors bon, est-ce que tout ça peut être coupé on ne sait jamais. Hein. Donc il y a ça aussi. Je ne sais pas quoi d'autre. Oui. Une autre question, Michel, de Patrice, qui te demande le rapport entre la thématique de ce soir, les déluges et les cataclysmes, et l'astrologie mondiale. Alors, je sais que là, on aurait de quoi faire une émission. Ah oui. Mais est-ce que l'astrologie mondiale peut prévoir ce qui ou a déjà prévu des cataclysmes de ce genre? Alors, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, comme les cataclysmes sont cosmiques, comme Nibiru, Apophis, etc. Bon, une trajectoire, c'est indépendant de l'astrologie. C'est-à-dire que l'étude d'un thème astral ne va pas donner l'entrée dans le système solaire d'une comète. Hein? Alors, l'astrologie mondiale, elle sert au niveau mondial, mais sur Terre. Hein? C'est-à-dire qu'en gros, c'est pour l'évolution des pays, c'est pour l'évolution de la planète, ce qu'on appelle les planètes lentes, ben, Uranus, Neptune, etc., Jupiter, leur aspect donne un certain climat d'une période, tant qu'ils sont en aspect ensemble, ou au moins d'une année. Donc, plus sur les bouleversements sociétals. Voilà. Qu'on pourrait avoir une lecture en termes d'astrologie. Voilà. Alors maintenant, une conjoncture vraiment très, très spéciale en aspect positif ou en aspect positif de ces planètes peut donner quelque chose de plus élevé, de plus général concernant l'avenir de la Terre. Si, par exemple, on avait toutes les planètes lentes en aspect négatif, on se dirait là, pour la planète, il va sûrement se passer quelque chose, mais ça ne concerne pas le cosmos, ça concernerait quand même que notre Terre. Alors maintenant, il y a peut-être une influence cosmique, puisque c'est les astres qui sont en disposition de telle ou telle façon. On a bien vu, là, en 1999, hein, dans mon livre, je reproduis le thème astral du jour de l'éclipse. Eh bien, vous aviez deux grands carrés au travers du thème. Hein. Deux grands carrés, c'est les planètes en aspect négatif à 90 degrés. Et deux carrés s'emboîtaient l'un dans l'autre, donc d'un point de vue astral, c'est rarissime. C'est-à-dire, on a une chance sur je ne sais pas combien de milliers d'avoir les planètes en une disposition comme ça. Là, on peut dire, bon, bah, ça ouvre une période très, très difficile pour nous, les humains qui sommes sur la Terre, pour peut-être le système solaire ou autre. Voilà, c'est sûr, hein, c'est les planètes du système solaire quand même. Hein. Mais que certaines peuvent indiquer qu'il y a une catastrophe, qu'il y a une inondation, qu'il y a des fléaux naturels. Là, on pense que, par exemple, l'entrée d'Uranus dans le signe du taureau peut être déclencheur de tremblement de terre. Parce que vous avez le signe de la Terre est très rigide et la planète Uranus qui est la planète des cassures. Donc forcément, la planète de la casse qui rentre dans un signe de Terre très stable casse. Donc on peut dire là, alors à les 7 ans dans le signe, on peut dire que dans les 7 ans qui viennent, il y a un risque de tremblement de terre majeur. Après, bon, en astrologie mondiale, il faut calculer les pays qui sont taureaux, qui sont plus exposés que d'autres, les pays qui sont le long de la fracture des écorces. Bon, après, c'est très, très compliqué, mais il y a quand même une influence. Quoi. C'est-à-dire, les astres ont un rayonnement, on voit bien l'influence de la Lune ou du Soleil sur nous. Les savants disent oui, mais à part ces deux astres-là, Uranus ne peut pas avoir d'influence sur les humains, c'est invraisemblable. Ils tournent autour du Soleil, ils envoient des rayons partout, on voit pas pourquoi ça va pas toucher. Il y a un rayon gamma qui vient du fin fond du cosmos, il touche la Terre, c'est grillé. On voit pas pourquoi une planète de notre système solaire n'aurait pas d'influence, quoi. Hein?
Donc, on peut répondre oui et non là, à la question. Oui, ça, ça a un sens d'être étudié, mais on ne peut pas déterminer quand est-ce que Apophis va nous percuter. Quoi. Je vois parfaitement. Chaque outil a ses spécificités, ses limites. On finit sur une dernière question. Celle-là, elle est de moi. Tout à l'heure, on parlait du sphinx, des pyramides. On parlait des récits bibliques, de tous les textes sacrés. Ça, c'est un message qui nous a été laissé à nous. Codé, il faut apprendre à le déchiffrer pour nous informer de ce qui s'est passé et de ce qui, de manière cyclique, se repassera certainement. Si les anciens nous ont laissé un message, c'est qu'ils, peut-être qu'ils pensaient qu'on était à même d'opérer des actions pour enrayer l'horloge cosmique. Qu'est-ce que tu en dis, toi ? Justement ça, c'est-à-dire que s'il y a un message, il est fait pour être compris. Il est fait pour qu'on trouve une solution à ce message qui est donné. Il ne faut pas qu'on commence par nier qu'il ait un sens. Mais on découvre quelque chose, on découvre la nature du message et on prend des mesures. Si on nous dit, allez, je vous prends un exemple au hasard, en 2050, c'est la catastrophe. On peut tout faire avant 2050 pour l'arrayer. Réchauffement climatique, on lutte contre, pollution, on lutte contre. On revient toujours à ces histoires d'apocalypse. C'est de dire que si les humains comprennent, il faut déjà qu'ils comprennent qu'on est dans une période apocalyptique. Après, s'ils veulent s'en tirer, il faut qu'ils changent. Pour changer, il faut avoir une toute autre mentalité. Et pour avoir une mentalité qui est bonne, il faut revenir à la spiritualité. Donc, on arrive à dire quelle est la solution au problème du monde, c'est de revenir à la spiritualité. Et non pas des réformes économiques ou X ou Y qui peuvent être bonnes, mais c'est un tout petit machin, de rien du tout pour changer le monde. Alors, dans ce sens-là, il peut avoir une évolution. Moi, je ne crois pas que ce soit gratuit, c'est-à-dire de laisser plein de messages partout pour dire ils ne sont jamais compris, puis si vous les comprenez, n'en tenez pas compte. Oui. Je crois qu'ils se sont fatigués. Si l'histoire des pyramides est vraie, elle a donné un message, à dire attention, vous allez rentrer, et puis par les astres, vous allez rentrer dans une période extrêmement dangereuse, c'est bien pour qu'on en tienne compte, ou alors on est barjot, quoi. Ou on a envie de disparaître si on est suicidaire en se disant nous préférons l'au-delà. Peut-être qu'inconsciemment, il y a une sorte d'acte. Là, on voit bien même nos savants de la NASA qui pensent que si un astéroïde se dirige vers la Terre, il faut trouver quelque chose pour le détruire. Ils ont l'idée que ça ne doit pas toucher la Terre. Donc, ils anticipent quand même le truc. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir. Hein. Dans un des romans que j'avais écrit, c'était très humoristique parce qu'il se passait ça. C'est-à-dire que les hommes politiques se querellaient sans arrêt du matin au soir sur notre situation politique à nous. C'est pas tant une fiction. Que je me baignais et on se dit, mais qu'est-ce qui pourrait les mettre tous d'accord? Que soudain, il y a un astéroïde qui fonce vers la Terre. Tous les chefs d'État du monde sont alertés, etc. Qu'est-ce qu'ils font? J'avais eu la même idée. Nous allons envoyer des missiles dessus. Il y a 10 ans, 15 ans. Hein. Et alors forcément, les États-Unis, la Russie, enfin, tous les puissances qui peuvent envoyer des missiles, bien sûr, braquent les satellites chargés de missiles dessus. Et alors, bien sûr, c'est à qui détruira le missile, détruira l'objet céleste. Hein. Les Russes veulent dire c'est moi, c'est mon missile, c'est le machin. Et du coup, y a des trucs des services secrets dans les programmations qui fait qu'il n'y a qu'un seul missile qui touche l'astéroïde, mais qui ne le détruit pas, qui le casse en plusieurs morceaux. Les morceaux tombent sur la Terre, mais c'est des tout petits morceaux puisqu'il a été cassé. Puis chaque morceau tombe sur une capitale. C'est-à-dire un morceau détruit New York, un morceau détruit Londres, un morceau détruit Moscou, un morceau détruit Pékin, etc., etc. Et pour finir par une note humoristique, mais on finira sans doute aussi l'intervention aujourd'hui, il n'y a que le nord de la France qui est sauvé. Parce que j'y suis. Ouais, si on peut épargner Saint-Etienne aussi, maximum de personnes. On va faire plaisir à tout le monde, la ville où vous tous qui m'écoutez, vous habitez. Fuyez les capitales, mes amis, fuyez les capitales, voilà. Si vous êtes dans le roman de Michel. Michel, merci infiniment pour cette nouvelle soirée. Il faut bien rire après toutes les horreurs. Il faut dédramatiser, mais avoir conscience que ces déluges, ces cataclysmes ont pour une grande partie eu lieu et auront lieu dans le futur, et que nous ne sommes pas à l'abri d'un cataclysme, d'une éruption massive, d'inondations de grande ampleur. Donc en tout cas, merci infiniment d'avoir pris le temps ce soir
de partager tout ça avec nous. Je sais que les Nuréens étaient nombreux et ravis de t'avoir à nouveau. Donc, merci beaucoup, Michel, et on te dit à très bientôt. Ah ben, la prochaine fois. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à toi, Guillaume. Merci. Au revoir. Les amis, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux ce soir à nous avoir rejoints pour ce direct avec Michel Desey. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. On se retrouve dès la semaine prochaine, je crois mardi soir, je serai en compagnie de Lionel Camille pour une nouvelle émission consacrée aux disparitions mystérieuses. D'ici là, moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, vous y êtes presque, plus qu'une journée à tenir. En tout cas, surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous les amis, gardez les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. À très bientôt, ciao.